dans la philosophie des langages, qui se tient à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'UQAM, à la mémoire de feu Mohamed Ben Moujdou, ancien collègue de la faculté au département des lettres et des sciences humaines. Alors, avant de commencer, on va peut-être observer une minute de silence pour les affaires qui ont à la mémoire de feu Ben Moujdou. Les mérites de l'Église, de l'Université Wallis-Maïs,
Par là, je remercie M. le doyen, qui a toujours été permissif. M. le doyen, qui a toujours su lisser les volontés pour aller vers cet horizon qui permet une ouverture sur la recherche scientifique internationale, sur la recherche scientifique au Maroc, sur la recherche scientifique au sein des équipes de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines. Merci, Monsieur le Doyen. Au nom du comité d'organisation, qui est un comité cosmopolite, mais qui œuvre dans le sens du participatif. Le comité d'organisation, par ses enseignants-chercheurs, par ses doctorants, par ses masterants, ont travaillé, ont œuvré à ramener une étanchéité d'invitation de profils scientifiques vers une unité. Unité qui fait que l'on peut travailler autour d'une thématique bien déterminée. Peut-être et a priori dans un cadre interdisciplinaire, mais aussi dans un cadre de convivialité et de compréhension. Et toujours dans un sens participatif. Ce comité d'organisation qui ne ménage rien pour ramener le niveau organisationnel, le niveau administratif, pour pouvoir donner lieu à une synergie qui ne peut être que productive. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous autour d'un travail qui peut-être représente une souffrance universelle et que l'on pourra peut-être provoquer afin de pouvoir trouver ne serait-ce que des directives d'ouverture vers des recherches futures, ou peut-être synchronimiquement parlant, hein, ancré dans un ici et dans un maintenant autour de cette organisation. Et donc, à la fin, je remercie les organisateurs. Merci et soyez les bienvenus. Merci. Merci à vous et à vous, Hassani, pour ce nom plein d'espoir. Je donne la parole à Abdouali pour membre de notre comité d'organisation pour prononcer un mot en anglais, s'il vous plaît. Mr. Dean of Faculty of Network and Magnus, Mr. Vice Dean of Faculty, respectful professors, ladies and gentlemen, you are all welcome. The issue of the color raises a problematic problem of the way philosophy and literature emerge and intersect. It is a long debate, but our organizing committee sees the opportunity to re-raise the issue once again. The participants, of course, will deal with different issues, with different problems, each one from his own perspective. I hope that it is an opportunity for everybody to learn a lot from this color international meeting of different people from different regions. Welcome again, and thank you very much. Merci, Monsieur Abdouali. Donc, à mon tour, je vais prononcer un mot au nom du comité scientifique. Monsieur le doyen, Monsieur le vice-doyen, chers collègues d'ici et d'ailleurs, chers doctorants, chers masterants et chers étudiants, donc, je tiens à exprimer tout d'abord ma considération à Monsieur le président de l'Université Maurice Mahy, qui est en déplacement pour des raisons professionnelles. Ma sincère gratitude à M. le doyen pour le soutien qu'il apporte à cette activité scientifique et
pour le bon déroulement de cet événement. Je souhaite la bienvenue aux collègues qui nous viennent des universités étrangères et d'une dizaine d'universités marocaines. Je voudrais aussi remercier les collègues communicants réunis pour l'occasion. Alors, nous devons cet heureux événement au précieux travail du comité scientifique du colloque qui a réussi la gageure d'inscrire un nombre conséquent de participants au regard de la qualité des propositions retenues. Je remercie chaleureusement nos partenaires et les membres du comité d'organisation pour leur implication centrale. Mon remerciement vont aussi à tous les collaborateurs. Vous me permettrez une mention particulière à M. Moutar Mahari, concepteur et cheville ouvrière dans le dispositif collectif. À cette occasion, nous rendons hommage à feu à M. Bédouzou, qui fut enseignant au département de langue et littérature française, ici même à la faculté de l'UCNES, et également conservateur de la bibliothèque de la faculté. Professeur des plus éminents, c'est en considération de son honorable passage à la faculté et aux bons et loyaux services qu'il a rendus à ses étudiants que nous sommes tous associés à l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui. Alors, un colloque à la mémoire de Feu Denis Doux participe d'une culture de reconnaissance qui représente pour nous plus une condition qu'un simple rituel. Aussi, l'organisation de ce colloque découle-t-elle de notre volonté d'engager au sein de notre équipe une réflexion sur la thématique philosophie et langage, de concert avec bon nombre d'équipes qui nous prêtent main forte dans ce projet. Alors, cela témoigne de l'ouverture de notre faculté sur d'autres structures scientifiques nationales et internationales. Permettez-moi, s'il vous plaît, un petit rappel en une minute du palmarès de notre équipe. Ce colloque, qui constitue la deuxième manifestation scientifique de l'équipe Littérature et Communication pour l'année universitaire en cours, pour rappel, l'équipe a organisé 5 colloques, 2 doctorats, 11 colloques et journées d'études avec des partenaires. Elle a également publié 4 ouvrages collectifs et 2 autres sont à paraître sous peu. Donc une production diffuse, fruit d'un travail basé sur la mutualisation des efforts d'un réseau de chercheurs dynamiques, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Alors, cela étant, ce colloque tente de soulever des questions d'influence réciproque entre littérature, sciences humaines et sciences sociales. Il se veut également un forum de partage et d'échange autour de la question philosophie et langage, leur indépendance et leur influence mutuelle, mais aussi leur implication sur l'esthétique et notamment sur la littérature. En effet, la pluridisciplinarité est une fierté pour cette équipe de recherche car elle cadre parfaitement avec les nouvelles orientations de la recherche qui encouragent le décloisonnement du savoir et qui ambitionnent une capitalisation des connaissances. Je rappelle également que les communications se dérouleront en français, en anglais et en arabe, donc pluridisciplinarité qui se conjugue avec le plurilinguisme. Les intervenants nous apporteront sans doute un éclairage, sinon parfois de nouvelles questions qui demanderont elles-mêmes de nouveaux chantiers de recherche. Vos réflexions, vos propositions, mesdames et messieurs, les participants, chers publics, vont certainement contribuer précieusement à l'enrichissement du débat. Donc, au final, et au nom du comité, je vous réitère mes vifs remerciements et souhaite plein succès aux travaux de cette rencontre internationale et merci. Donc, je remercie monsieur le doyen, monsieur le vice-doyen et mes chers collègues et peut-être qu'on va directement passer au premier panel. Donc, j'invite les participants à nous rejoindre ici et merci.
Messieurs, bonjour. Nous allons entamer les travaux de notre colloque. Donc nous allons entamer notre colloque par une séance de travail placée sous l'heureuse dénomination philosophie et langage. Et nous avons donc au menu 4 ou 5 interventions qui tournent justement autour de questions éminemment philosophiques, hein, langage et mathématiques, langage, phénoménologie du langage philosophique, et j'en passe. Donc je donne tout de suite la parole au premier intervenant et je voudrais rappeler ici que le temps imparti à chaque communication est de 20 minutes. Donc je vous prie de bien respecter ce temps, comme ça nous serons dans les temps impartis et nous éviterons le fait d'empiéter sur les autres séances. Merci de votre compréhension. Donc la parole est donnée à M. Hassan Manouzi de la faculté des lettres et des sciences humaines de Meknès, dont la communication va porter sur la contingence, la question de la contingence dans le langage. Alors, la question du langage chez Avicenne. Pardon. Question du langage. من خلال منطلقا من هذه القناة استجبت باستمرار
للدعوات التي لا أقول قدمت ولكن نوقشت لها. أستاذ العربي دائما يناقش مع جميع القضايا التي يطرحها. واقترح علي هو الأستاذ الحزامي هذا الموضوع الفلسفة واللغة. وهو موضوع عريق في الفلسفة وتاريخي. هو هناك كتابات جمة في هذا الموضوع. ولكن في نفس الوقت دعم الأخلاق الفلسفية، دعم الأخلاق الفقراء والقضية مطروحة ومتداولة وبلغت قيمتها في القرن العشرين الوضعية والمنطقية إلى آخره. لا يتعلق الأمر بهذا السطر التاريخي، ولكن يتعلق الأمر بالأهمية دائما بيرمانون في الموضوع. مسألة اللغة والفلسفة هو موضوع دائم ومنفتح، بمعنى لن يعرف الانطلاق يتغير يتبدل بحسب تغير المعطيات وبحسب تغير الشروط والعوامل يضحي إنها المستوى الاجتماعي الديني أو داخل حقل أو مجال دولي. الفلسفة واللغة هذا الواو بالنسبة لي لم أفهمه أبدا كواو التقابل أو الإقصاء أو الطرد، بل فهمته باعتباره واوا للمعية. فالفلسفة واللغة شيئان يدخلان في هوية واحدة يتبادلان أطراق التأثير ويتبادلان كذلك الأفكار. من هنا فالفلسفة والأدب في الميتافيزيقي والأدبي والسياسي إلى آخره. طيب، المداخلة التي صغتها موضوع في ابن سينا الذي هو الفيلسوف الذي أبحث فيه من زمان ولا زلت، وبدلي أن سؤال الفلسفة واللغة عند ابن سينا يحتل مكانة أساسية في الأدب، وسأبين ذلك. رغم أن هذا المجال ظل متواريا وغير معترف به حتى لا من قبل اللغات الأجانب اللغويين الأجانب ولا من قبل اللغويين العرب القدامى والمحدثين. ابن سينا فيلسوف القرن الرابع الهجري. ابن سينا فيلسوف معروف له كتابات معروفة أنا داعية لأقصدها. أبدع جدد فتح في الثقافة العربية ظهورا. علم فلسفة وأدب شعر ورواية. وهذا الفيلسوف لم تطأ قدماه قط بلد العرب. هذه مفارقة من الجبال. فيلسوف أدلى قمة العطاء في الفكر العربي والثقافة العربية في العلم في الفكر الطب في في الفلسفة في الأدب شعر ورواية، ولكنه لم تطأ قدماه أبدا بلاداً أو بلداً عربياً. مما يطرح مسألة الانتماء كيف ستطرح مسألة اللغة عند ابن سينا؟ هل ظلت فقط كونها حدث وسيلة تأثير، أم أنها تحولت إلى موضوع للبحث والدراسة؟ ما مكانتها بمشروعه الفلسفي الذي أراده أن يكون متميزاً ومجدداً وخاصاً؟ الملاحظات التي قدمتها وسقطها بصدد هذه السؤال الثالث على قناتي اللغه والمشروع اللغوي كامله سقطها بشكل التالي. واحد، من نبوغ الحفظ الى نبوغ النضج. اذا رجعنا الى ترجمه حياه ابن سينا كما يحكيها هو لتلميذه الجلزاني مسجل ما يلي يقول: وكان آنذاك صبي وأحضرت معلم القرآن ومعلم الأدب وأكملت العشر من العمر وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من الأدب حتى كان يقضى مني أجل. جملة قوية. معناها أن ابن سينا وهو لم يتعدى بعد عشر سنوات استوعب تماما اللغة العربية من خلال نص القرآن،
استوعب الادب هل هي مبالغه سنرى ان ابن سينا انا استعملت كلمه نبوغ ابن سينا كان ذاكره قويه وذاكره حافظه بنتها وبالتالي فاللغه العربيه شاربها منذ طفولته من خلال مصدرها القوي القران والادب معناها بأن مسألة لغوية صفى معها حسن معها وهو صغير الحدث الثاني في الترجمة للحياة ديالو يحكي أنه دخل لما عالج أميرا من مرض الله دخل دارا بها بيوت كثيرة كل بيت خاص بعلم معين وأغلق على نفسه في تلك الدار واستوعب كل ما فيها المعنى بهذا الكلام معنى أنه أن ابن سينا كما استعمله هو شرب واستوعب اللغة العربية في أصولها القرآن الأدب والكتاب لذلك ما سيأتي فيما بعد سيكون كله تفريغ لتلك المعطيات التي سبق أن استوعبها وسبق أن طرحها كان حافظا للغة كان حافظا للعلم وفي المرحلة الثانية سنصبح هذا العلم أنضج إذن مرحلتين في حياة ابن سينا مرحلة الاستيعاب والقراءة ولعبت اللغة دورا أساسيا والمرحلة الثانية هي مرحلة الكتابة التي ستبدأ في سنة 21 من عمره بمعنى آخر ما قبل سنة 21 كان قارئا وحافظا ومستجمعا بعد 21 أصبح مبدعا وأصبح كاتبا وينطلق في كتاب فقه سير كذا إلى آخره النقطة الثانية اللي بغيت نشير لها أن ابن سينا كتب معظم كتبه بالعربية وأهم كتبه بالفرنسي بالفارسي إذا عنده ازدواجية في كتاب اللغة أهم الكتب ديالو بالفارسية كتاب العلم لاسيونس وقد ترجم إلى الفرنسية ديال قشينا وغير مترجم إلى العربية حسب علم إذا هذه النقطة الأولى مهمة جدا في الحديث عن ابن سينا ابن سينا ذاكرة قوية ذاكرة ثاقبة إنسان يعتمد الخطاب الشفوي لا يكتب بل يولي على الآخرين كل كتبه أملاها في ظروف لا يستقيم العقل وهو راكب على جوابه وهو كذا وهو كذا وهو كذا إلى آخره بمعنى أنه ظاهرة لغوية بامتياز كتب في باللغة العربية كتب بلغة العلم والحضارة الندب وكتب باللغة الفارسية أيضا الآن أنواع الكتابة ديالو علم بجميع إشكاله فقه كلام شعر رواية هذه كلها مجالات غطتها الفلسفة واللغة السينية المسألة الثانية قصة ديال التحدي تحكي كتب يحكي هو في ترجمة حياته ويحكي المؤرخون قصة ديال وقعت بين لغوي ونحوي مشهور سميتو أبو منصور وابن سينا في حضرة الأمير بدأ النقاش حول مسألة لغوية فتدخل ابن سينا وأبدى رأيه فالتفت أبو منصور الجبان هذا وقال له يا ابن سينا إننا نستفتيك في الفلسفة ولكن لا يمكن أن نستفتيك في اللغة أنت لست لغوي فأضمن فتعثر ابن سينا وكان تحدي قوي عنده فأغلق على نفسه باب منزله 3 سنوات وراح يدرس اللغة في أصولها وسيشير إلى أن أهم أصل كان أصلا فارسيا مما يدل بأن قوة اللغة العربية لم تكن أبدا عند العرب بل كانت عند غير العرب فأخذ تلك الأصول وكتب قصيدة شعر وكتب 3 كتب وقال للأمير سنغلف هذه الكتب بغلافات قديمة
واستفتي أبا منصور جبان فقلت له إلى أي عصر تنتمي أتيك فاستدعي أبا منصور جبان علمت أنه محوي ومشهور وسيشيد به في بعد قال له وجدنا في رحلة الصيد كذا وكذا قل لنا إلى أي مرحلة إلى أي مدرسة تذهبي فقال فلم يستطيع أبا منصور جبان أن بل لم يستطيع أن يشرح بعض الكلمات الموجودة فيها هنا تقدم ابن سينا وقال له هذه الكلمات ها هو معناها هذا التعبير ها هو معناها ففهم أبا منصور جبان أن الأمر يتعلق برفع التحدي رفعه ابن سينا بالقوة وقدم اعتبارا له إذا نسجل شيء ابن سينا فيلسوف استطاع أن يجلب اعتبار أكبر أن اللغة الحالية وهو ابن الرياض طيب هذا التحدي الثالث التحدي الثالث قصة علاقته بأرسطو والمشاهد نعرف أن ابن سينا أراد من فلسفته أن لا تكون فلسفته بهذه المشاهد ولليوناني وأراد أن يبني فلسفته خاصة كيف سيبني هذه الفلسفة الخاصة؟ سيبنيها بمشروع جديد سيفتح المجال للأدب وللروحانيات وللمثاليات من هنا أرسطو لم يكتب في الشعر كتب في الشعر كتابة نقدية تصيري معروف ولكنه لم يبدع قصائد شعر أرسطو لم يبدع روايات هذا المجال بل لم يبدع منطقة مخالفة بالنسبة لابن سينا فتح هذا الأفق أفق الرواية أفق الشعر أفق الروحانيات لكي يقوي مشروعه الذي رفض تماما أن يكون تابعا للمشائيين وناطقا باسم المشائيين حطم أرسطو هذا التقرير بجميع الوسائل وفتح الآفاق نحو فلسفة أو فكر عربي إسلامي له لغته وله معانيه وله أبعاده ثالث أو رابع لغة الحدود ابن سينا له رسالة هامة ومشهورة جدا سماها رسالة في الحدود وهي رسالة ذات طبيعة منطقية ولكن هذه الرسالة متميزة تجمع بين المنطقي واللغوي الطبيعي والميتافيزيقي والمعرفي هناك شيء آخر أن التصور ابن سينا للحد الحد هو ماهية الشيء بكذا وكذا كما يقول المناطق بشروط لكننا نجده في هذه المقدمة ينتقد بقوة هذا المفهوم الثابت للحد معناه أن معنى اللغة ليس معنى حطم ابن سينا بقوة مفهوم الثبات والمطلقين للمعنى إلى حد أنه في هذه الرسالة يقول لما طلب مني أصدقائي أن أكتب حدودا استنكفت منها لأن الأمر مستحيل الأمر صعب لا يمكن أن يحنط اللغة ويجمدها فهناك من الالتباسات ومن الاشتباكات ما يجعل تحديد المعنى النهائي أمرا مستبعدا هذه المقدمة لا يلتفت إليها في الحديث عن ابن سينا ابن سينا استشعر عواصف الأمر وخطورة الكلمة ديالها أمر صعب الزلل أشفق على نفسه التبرير للتأكيد على أن مغامرة تحديد المعنى بشكل مطلق في اللغة هو أمر لا يستقيم والواقع الحقيقي للمعنى لأن طبيعة المعنى متشابكة ومتداخلة والأمر إن هذا يكون اصطياد البرهان عسير جدا إذن إنه ضد البرهان إن تماما إنه فتح المجال للإنكار. طيب ما غاديش نعم.
لغته انتقل الى لغه الشعر. لغه الشعر اي واحد يعرف ابن سينا يعرف قصيده رائعه جدا ابن سينا اسمها عين قصيده العيني. ابن سينا لم يلتفت اليه بالشكل الكامل. هذه القصيده العينيه الرائعه جدا جميله جدا هي فلسفه ابن سينا. تمام. اذا من اراد ان يقرا فلسفه ابن سينا شعرا فليعد الى هذه القصيده الرائعه جدا هي القصيده العينيه. هذه القصيده العينيه مطلعها يقول: هبطت اليك من المحل الارفع ورقاء ذات تعزز وتمنع محجوبه عن كل مقله عارف وهي التي سفرت بمنى لم تتبرك الى اخره. ما غاديش نشرح لها الابيات كلها لكن ادعوه الى العوده الى تلك القصيده للاستمتاع بها للوقوف على فلسفه اللغه ولغه الفلسفه عند ابن سينا. مجمل ملخص هذه القصيده معناها هي حكايه، قصيده حكايه تروي سفر نفس الحمامة وهي تهبط إما مكرهة وإما بقرار إلهي وحكمة إلهية من محلها الأرفع الروحاني إلى قعر الحضيض الأوطن. فكان مطلع القصيدة وبدايتها هبوط النفس من حماها ومنازلها وكانت خاتمة القصيدة انطواء النفس. انطواء النفس بعد تألقها لتعود إلى موطنها تالية. وبين المطلع والخاتمة الهبوط والعود عاشت النفس صاحبة الطبع الشريف والكريم ذات التعزز والتمنع قدرها الميلودرامي في معركتها مع الجسد، الجسد العائق حليف التراب والخراب والهم الثقيل والسكين ثم يتساءل عن إلى آخره إلى آخره. على أي حال هذه القصة قصيدة جميلة من الناحية اللغوية وقد فتحت ما يسمى بنقائد قصيدة، مجموعة من شعراء منهم أحمد شوقي وغيره داروا قصائد تضاهي قصيدة أو تعارض كما يقول الأدب تعارض هذه القصيدة. هناك لغة القصة، لغة القصة والرواية المتخيلة. أشير هنا إلى الدراسات الرائعة التي قدمها أوري كوربان. أوري كوربان في دراسته لهذه الروايات الثلاثة. ابن سينا إذن فيلسوف الشاعر هو أيضا قصاص وروائي له ثلاث نصوص مشهورة: حي بن القبان التي أثرت في الفكرة العربية والفلسفة العربية وفي الآداب الفلسفة العربية البسيط وفي الآداب الحديث والمعاصر. قصة حي بن القبان بسوري، قصة طير الوزو، وقصة سلامان وإبسا. أنا غادي نعطي فقط ملخص لهذه اللي سبق أن درستها بالتفصيل، ملخص هذه الروايات الثلاث. رسالة حي بن القبان الرمزية هي في صميمها تحقيق لوصية ودعوة للفيلسوف. فحي في هذه القصة متصوف جواد ومحترف بالسياحة ضارب في أصقاع الأرض تحقيقا لوصية والديه الداعية لتحليل النفس المكبلة بقيود العالم وتوجهها نحو الشرق مبعث النور والألوان الزاهية مورد الحكمة الإلهية وينبوع الشباب الدائم. حيث الحسن حجاب للحسن والنور حجاب للنور وهي أيضا دعوة للانفلات من ظلام الغرب موطن المادة والشرق. حيث الغرب آنذاك كان ماشي هو الشرق النوراني، كانت توصيفة جغرافية فكرية لتلك الفترة. حيث شقاء وعي النفس وغربتها والتوجه نحو الشرق موطن النور والحب. لذلك كانت خاتمة القصة دعوة الفيلسوف حي الفيلسوف لاتباعه نحو الشرق. رسالة الطير، الرسالة الثانية، هذه الرسالة
ترسم هي الأخرى بجمال كبير جدا صراع النفس من أجل الوصول إلى الحق مشبهة أنفس الإنسان بسرب من الطير وقعت في شرك صليبي سجنوها في قفص محكم إغلاق لكنها تأبى الاستسلام لهذا المصير المفروض عليها فتعمل على التحرر والانفلات لتنجو في نهاية المطاف وتتوجه إلى قمة جبل الله في الطبقات الثمانية وتنزل فيه ضيفة على نوع من الطيور لم يسبق لها أن رأت نظيرا له حسنا وجمالا وظرفا وأنسا رسالة الطير إذن هي رسالة في العودة لغدوك وهجرة النفس وصراعها المالي مع القيود والرغبات للوصول إلى الحق وهي أيضا دعوة إلى جبل الله أما قصة سلمان وأبصح فهي أيضا تحكي الصراع المالي بين النفس والجسم طيب إذن مجمل القول إذن في طرح مسألة سؤال الفلسفة واللغة عند ابن سينا هو أن ابن سينا تعامل مع اللغة وفقا لمشروعه الفلسفي ينبغي دائما مشروعه الفلسفي مشروع ضخم أراد منه أن يكون مشروعا خاصا بالمشروع من هنا توسل بعبقريته ونبوغه القوي اللغوي في اقتحام المجالات كلها فلسفة علم طب فقه أدب شعر العجيب جدا في هذا الفيلسوف هو أنه سواء تبعنا طريق الشعر أو طريق الرواية أو طريق الفلسفة فإننا سنصل إلى نفس الغاية غايات واحدة بمناهج مختلفة بأساليب مختلفة وبلغة مختلفة أختم أيضا بأنه أعتقد أنه الأول حسب أبحث الآن في هذا الجانب على كتب الأدب أول من كتب كتابا لم يلتفت إليه بما يليق به رسالة أو كتاب في أسباب حدوث الحروب بمعنى كيف يخرج الحرف كيف ننطق بالحرف بمعنى آخر أن ابن سينا دشن الصوتيات أفولت الصوتيات فليرجع إلى هذا النص لهذا الكتاب الكريم والذي بدأت أراجع أنظر فيه مؤخرا قبل قليل قبل مدة هذا الكتاب فيه تحليل وهو كان طبيبا ووظف ثقافته الطبية فيما يتعلق بالحنجرة وإلى آخره جميع العوامل الفسيولوجية والتشريعية التي بواسطتها ينطق الإنسان ويخرج صوته أي التمظهر الفيديولوجي للصوت شكرا quand même m'efforcer de le faire. Donc, d'après l'intervention de notre collègue, Avicenne, cette figure éminente du IVe siècle de l'Égypte, a ébréché les frontières entre philosophie et littérature. Il a rendu ces frontières très poreuses. Lui, qui a appris dans une première phase le Coran, l'a mémorisé dans son entièreté, et dans une deuxième phase a relevé un grand défi, à savoir produire un texte littéraire de grande envergure pour défier en l'occurrence un certain Abu Mansour et Jepel. Et pour une troisième phase, il a tenu à ce que sa philosophie ait une espèce d'autonomie par rapport à l'héritage antique, grec et latin en espèce. Il a ambitionné d'instaurer les bases d'une philosophie arabo-islamique qui a sa propre vocation, ses propres paradigmes et sa propre vocation. Donc, merci M. Manoubi de nous avoir apporté cet éclairage sur l'une des figures notoires du IVe siècle de l'Égypte. Merci de cette communication bien articulée. J'espère que nos confrères francophones ont pu saisir à la volée quelques aspects de cette communication. Et je donne tout de suite la parole à notre collègue, M. Moustapha Abou Hassani, qui n'est pas présenté,
très connu, hein, qui va nous parler de la contingence dans le langage. Vous avez 20 minutes, monsieur Abou El-Hassali. Notre amitié, pour que vous soyez plus indulgents, peut-être et a priori. Donc, il y a une petite omission au niveau de l'intitulé de la communication. Je ne sais pas pourquoi l'armée a fait ça, parce que il me connaît peut-être les choses à l'aider et à mine et de la contingence. Mais je n'ai pas réclamé à ce point de choses parce que les choses se tiennent quand même. Parler de la contingence qui n'est qu'un prétexte pour parler du langage, parler de la contingence dans le champ d'investigation philosophique revient en fin de compte à la même problématique. Voilà. Donc, cette problématique qui est cette problématique qui constitue, on dirait, Benveniste, une tête de méduse, dotée d'évanescence. Donc, c'est une problématique qui met le chercheur en difficulté, qu'il soit linguiste, philosophe ou autre. C'est une problématique à laquelle on ne peut pas apporter de réponse sans pour autant valser dans le champ de l'histoire, dans le champ de l'épistémologie et dans le champ de la réalité liée à l'histoire, à ici et maintenant. Parce qu'il s'agit de la pensée, il s'agit de l'égal, il s'agit de l'évolution de la réalité, de la dynamicité, de l'action humaine. Donc, j'essaie de toutes les manières, je vais essayer de ramener cette complexité à une simplicité. La simplicité, c'est-à-dire ramener le problème à sa charpente première. Charpente première, pour l'exposer de la manière la plus simple qui soit. Le problème du langage et de la contingence du langage, le problème du langage et de la contingence du langage philosophique, rentre dans un jeu de miroir, si vous voulez, où il faut mettre au centre le problème de langage. La nature nous enlève ce qu'elle nous a donné. Elle nous a doté de cette faculté langagière, mais il nous a ôté la possibilité de pouvoir la maîtriser. D'accord ? Donc, parce qu'il y a une évolution, au niveau de ce qui constitue l'essence de l'être humain. Donc, je reviens vers la simplicité. On ne peut pas parler de langage sans pour autant parler de langue. On ne peut pas parler de philosophie sans parler de l'idée. Parce que la philosophie, c'est ramener le tout, donc ses particularités, à une idée. Le bien vers le bien en tant que qu'idée. Transcendantale. Ou bien l'idée soumise à un raisonnement. Ou bien l'idée soumise à une logique. Ou bien quand les choses se font actuellement, je ne suis pas content là-dessus, ramener les choses à une procédure. On est dans une ère de procédure. Et je fais un clin d'œil à notre ami Ibn Khaldoun parce qu'il y va aussi de procédure. Sans aucun jugement de valeur, on peut être procédural, mais tout en ayant une visée liée à une découverte scientifique ou bien une découverte épistémologique, historique, mais ne jamais oublier et que cela constitue pour le chercheur un clou de Machiavel qui rappellerait à chaque moment que l'on est dans l'universel. Il ne faut pas échapper
ou bien trouver des échappatoires pour pouvoir solutionner un problème de la manière la plus simple. La procédure, le binarisme, hein, la mécanicité, et donc être toujours dans une recherche qui a pour visée d'enfoncer une fourche ouverte, d'aller vers la simplicité. La simplicité ne veut aucunement dire trouver des subterfuges, trouver des raccourcis. Donc le problème du langage a toujours posé problème aux philosophes. Parce que l'idée passe par le langage. Et tout passe par le langage, comme dirait Medvedev. Quand il fait, ils ont essayé de résoudre le problème par l'intuition. On est amené, grosso modo, à introduire une propriété universelle à chaque fois que l'on souhaite forcer un objet à satisfaire certaines contraintes, et seulement ces contraintes sont on imposait d'autres. Je cite Antoine Dufour à propos des objets caractérisés par une propriété universelle. Ou bien encore, en se basant sur l'intuition, et je vais citer Gadamer, tout se passe un peu comme si, et c'est une intuition que la réflexion herméneutique sur la vie, les limites du langage, ne pourra que confirmer. Et sur ces cas-là, Gadamer va se taire. Parce que cet amour, il a pris un grand mot. Il a dit, tiens, c'est hermétique, c'est difficile, ça ne prend pas en charge l'idée en tant que telle, donc je vais me taire. Mais par la suite, il va s'agir de l'herméneutique, etc., etc. Il est revenu au retour. Kant, qui a toujours dit, on ne peut pas apprendre la philosophie, on ne peut que philosopher. Lui aussi avait son mot à dire, l'histoire, il s'est basé sur le côté historique, l'histoire des problèmes du lieu quantique, l'idée d'une histoire des concepts cherche à remonter aux expériences originelles qui ont donné naissance au langage de la philosophie, langage qui est entre-temps devenu le sujet même de la philosophie. L'histoire des concepts veut notamment nous sensibiliser à la lutte perpétuelle, etc. Et il y a un discours sous forme de rémunération, comme si l'on était en train de s'acheminer d'un point vers un autre sous forme de chapelet, quoi. Donc, il y a un problème, il y a même un problème au niveau de ce qu'on appelle la pensée. Parce que je peux de fil en aiguille vous lire toutes les citations que j'ai ici, jusqu'à arriver à Wittgenstein, ou bien à Heidegger, qui à ce moment était là, il a dit, il y a un jeu de langage, c'est très bien. Et de l'autre côté, il a dit, nous ne pensons pas encore. Nous ne pensons pas encore, nous acheminons vers une pensée. Donc, c'est des choses qui ont été étudiées, discutées. Alors, je vais voir ce que la communauté philosophique a voulu faire devant cet obstacle, parce que le langage a constitué un obstacle. Et là, je réfère à l'année 1900, où la langue et Coutura, lors de l'exposition universelle, on voulait unifier le langage en adoptant une langue auxiliaire internationale, à savoir l'espéranto et l'ido, etc. Bien sûr, à la base de radicaux gréco-latins, pour pouvoir trouver une certaine homogénéisation de la pensée et de l'idée. Chose qui n'a pas abouti. On connaît le dictionnaire critique de la philosophie de la langue, de Kant, c'est extraordinaire, mais un dictionnaire philosophique ne peut pas faire appel au même mécanisme de classification d'un dictionnaire linguistiquement parlant, avec des entrées, des traits sémiques, des sèmes, des sémantèmes, tout ce que vous voulez. Le concept philosophique ne peut aucunement subir le même traitement qu'un terme, aucun mot issu du cadre général de la langue, ce que la langue des Coutura appelle la langue usuelle. Et ils ont oublié une chose, c'est qu'il y a d'autres langues. On a le système des langues indo-européennes, où il y a, pour uniquement et rapidement spécifier ce système linguistique, qui a pour dominance le temps. Le camito-sémitique, l'hébreu, la mazère, l'arabe, ils ont une autre dominance, à savoir l'aspect.
Hein? Donc, il y a déjà un problème. Un problème de vision de monde. De vision du monde. Un problème de constitution interne du langage. Donc, voilà. Le langage est évolutif. Le langage est étanche. Le langage comporte cette contingence. Hein? Quand je vous dis, par exemple, je vois que vous êtes présent, c'est une vérité. Vous êtes présent. Mais, en même temps, vous auriez pu être ailleurs. Quand je dis vous êtes présent, ça veut dire que vous êtes là. C'est une vérité. C'est vrai. Mais, vous auriez pu être ailleurs. J'ai construit ça aussi. Donc, il partage et définit ce que c'est que la contingence. Cette bouteille, là, c'est une vérité. Elle aurait pu être ailleurs. Mais ce qui va faire la différence entre votre présence et la présence de cette bouteille, c'est la nécessité, un trait supplémentaire. La nécessité. Certains parmi nous sont là par nécessité. D'autres pas peut-être. Donc vous voyez les enjeux de la contingence, hein? Quand je construis un concept, je construis son complémentaire. Parce que le concept, si vous voulez, c'est un ensemble de gradients constitutifs. C'est une charge idéologique. Et quand je dis ça y est, j'ai construit le concept d'éthique. Bien deux, pour faire les clins d'œil à notre réflexion de bioéthique. Ou bien le concept de vérité ou autre, je construis son dehors, son complémentaire. Et là, je suis en plein dans l'esprit de la logique aristotélicienne. Mais jusqu'où la logique aristotélicienne, hein, pourrait-elle permettre de résoudre ce problème de la contingence au niveau du langage? De toutes les manières, elle ne peut être que les résultats ne peuvent être que limitatifs. Ben, j'ai dit à Demomillière, et si Aristote n'avait pas existé, qu'aurions-nous fait avec et devant le langage, si on oublie Aristote. Donc cette logique demeure louable, mais il y a d'autres choses à voir et à faire au-delà de cette logique. Parce que la logique, on peut même la considérer comme étant instrumentalisante. Elle nous permet de voir le monde à sa manière. Or, au-delà de ça, il y a l'idée. L'idée qui peut déborder la raison. Déborder la raison. Mais qui est contenue dans le langage. Qui est contenue dans le langage. Alors, vouloir unifier les langues, vouloir trouver une langue artificielle auxiliaire, vouloir aller au-delà de la logique, vouloir aller au-delà de ce que la langue des Couturat appelle la pensée alpiniste, c'est-à-dire la réflexion intérieure d'un esprit singulier, c'est-à-dire un philosophe, ne pas apprendre la philosophie, mais pouvoir philosopher. Donc, il faut ramener les choses à une petite solution simple. Hein, ne serait-il pas possible de trouver, hein, un consensus pour tabler sur une théorie du langage? Vous allez me dire, mais il y a des théories du langage, hein, des théories linguistiques au général. Hein, on a le fonctionnalisme, le structuralisme, on a le générativisme qui s'est occupé des transformations, etc., et de la productivité du langage, jusqu'à un point philologique qui va peut-être, à un certain moment, apporter des solutions théoriques, hein, basé sur des formalisations. Des formalisations en se basant, si vous voulez, sur ce qu'on appelle ce problème de gradient interne qui constitue la charge d'un concept, ou bien du langage philosophique, ou bien du langage, point, donc à la base de ce qu'on appelle le physico-culturel, sur trois niveaux méthodologiquement parlant. Les notions, les relations primitives et les prédications. C'est-à-dire qu'en allant vers une phase finale qui est ce qu'on appelle la reconnaissance des notions, la reconnaissance des notions qui ne sont autres que des notions appartenant à des mondes de possibles.
Donc je reviens au terme possibilité. La possibilité, c'est ce qui fait qu'il y a contingence dans le langage en général et de la contingence même dans le langage philosophique. Même si Deleuze ne dit que la philosophie est la construction de nouveaux concepts. Hein, c'est-à-dire le concept est construit. Je peux le vider et je peux l'emplir avec un gradient qui vont faire de lui un objet fini et construit et qui renverrait à une réalité vraie, une réalité relevant de l'ordre. Mais il y a une finalité qui fait que on ne peut pas construire un concept et ce vrai. On ne peut pas construire un concept et dire j'ai touché la pierre philosophale. J'ai pu répondre à ce vouloir d'unifier la réalité en un tout, en une idée. Hein? Parce qu'il y a, si vous voulez, mouvance. Il y a mouvance, il y a glissement de terrain. Et c'est ce qui fait la continuité de la pensée humaine, ce qui fait la continuité de la pensée philosophique. Hein? Sans pour autant trop charger mon discours par des idées hein, qui peuvent être contradictoires hein, de par un paradigme philosophique ou un autre, on a aussi uniquement à dire que il faut vivre cette contingence dans un cadre de l'habilité, mais toujours est-il qu'il nous faudra trouver un outillage pour pouvoir réajuster. Hein, le réajustement hein, le réajustement de l'idée par rapport à la réalité, par rapport à cette mouvance liée à la réalité, sans pour autant être trop baudelairien à la fois. Cette phrase que j'aime et qui m'aime, qui n'est jamais tout à fait la même, n'est jamais tout à fait une autre. Hein? Il a dit, c'est un philosophe. On parle de philosophe clandestin. Il n'y a pas de philosophe clandestin, sauf par rapport à une institution politique. Un pouvoir autoritaire. La pensée est libre. Le poète est un philosophe. Le médecin est un philosophe. Les gens qui relèvent du commun sont des philosophes. Parce que chacun a, se constitue une idée de la réalité. De sa réalité et de la réalité de son environnement. Donc, à la fin, je vais essayer, je vais vous lire ce que Filioli, hein, en guise de conclusion, en 1995, d'un aspect d'épanouissement de sa démarche, à une épistémologie, à une épistémologie du compartimenté, du statique, et du linéaire, il apparaît, à l'épreuve des phénomènes, qu'il faut substituer une épistémologie de l'interactif, du dynamique et du non-linéaire, dans une dialectique complexe du rigide et du malléable, où se nouent et se dénouent les figures du stable et de l'instable, à travers la plasticité régulée du langage. Voilà, c'est une moralité à prendre en considération, à revoir peut-être, mais je pense que c'est une démarche qui a son mot à dire, qui a une ouverture, qui permet l'ouverture et la continuité. Je n'ai pas pu te dire, c'est pas évident de traiter de ce problème, mais c'est une manière de ma part de vous dire qu'il y a un problème qu'il faut, auquel il faut réfléchir, auquel il faut apporter des peut-être de petites solutions, mais ne jamais le laisser de côté. Hein? D'accord ? Qui, comme dirait l'autre, à se casser les côtes ou à rouler dans leur maison là. Cela s'apparente à une véritable utopie que de vouloir homogénéiser
la langue et faire en sorte que celle-ci réfère à une réalité immuable. Donc, qui dit contingence dit glissement de signifié, de signifiant, construction de sens hein, ouvert. Je vous remercie encore une fois et je vous donne la parole à notre collègue, M. Hamid Lamoud, de l'ESP de classe, qui va nous parler de langage et mathématiques, les limites du positivisme logique. À vous la parole. Merci. Toute philosophie est l'école de la science de son temps. Le positivisme logique est le produit de la crise innovatrice des sciences et des réflexions épistémologiques et technologiques de la fin du 19e et du 20e siècle. Notamment, le déclin des absolus logiques ou mathématiques, la pénurie du mot d'ordre d'action, la relativité, la crise des fondements des mathématiques, la pénurie de la multiplicité, la question des intentions théoriques, etc. Au vu de cette crise, il est possible de continuer avec les perceptions de Marx, Wittgenstein et Racine. Marx, par sa physique phénoménaliste et sensualiste, Wittgenstein, par sa conception de la philosophie pour clarification logique de la pensée, Racine, comme Wittgenstein, par la logique et l'analyse du langage. En d'autres termes, il s'agit de l'expérience comme source unique de la connaissance et de l'objet logique ou linguistique comme seul objet de la philosophie. Et quelles que soient les formes du positivisme, l'unité de la problématique s'organise autour de trois axes. Le primat des données de l'expérience, la clarté et la rigueur logique dirigée contre la métaphysique, véritable ivresse logique. 3. L'analyse du langage scientifique, notamment avec la logique de Racine. La thèse directrice repose sur la séparation entre la science et la non-science. Le moyen utilisé, c'est la théorie vérificationniste de la signification. Une syntaxe et une sémantique épurée et généralisée. Si la métaphysique est écartée du domaine de la science, parce que ses propositions manquent de sens, alors les énoncés qui possèdent un sens se partagent entre les énoncés analytiques, que Wittgenstein appelle tautologie, c'est-à-dire les formules logico-mathématiques qui ne disent rien sur le réel, et les propositions expérimentales qui ont une valeur cognitive. Cette distinction n'est rien d'autre que l'application des règles de la pensée positiviste en général, à savoir, 1. Le phénoménisme ou l'interdiction phénoménaliste relative à la critique de toute hypothèse métaphysique, de toute interpolation illégitime. 2. Le nominalisme appliqué à l'épistémologie, à la théorie de la signification, à la théorie des objets mathématiques et aux considérations axiologiques. 3. La neutralité de la science comme critère de la scientificité. 4. L'unité, méthodologie fondamentale de la science, c'est-à-dire la réduction physicaliste ou la règle des dépendances physiques. Au centre de ces considérations, il y a le langage. Sous l'influence de Wittgenstein et Racine, la philosophie est conçue comme une activité d'élucidation. Sa fonction ne consiste pas à construire des théories et des systèmes abstraits, mais à critiquer le langage, à clarifier les concepts de la science. La méthode de ce travail, c'est la logique de la science qui n'est rien d'autre que la grammaire logique du langage de la science. Le problème de la science et de la philosophie est avant tout un problème d'ordre linguistique. Par le moyen de la logique, il s'agit de construire un langage qui interdit toute formulation de propositions métaphysiques.
C'est ce que le néo-positivisme appelle un langage artificiel qui regroupe la syntaxe ou règle ordinaire de la logique et les mathématiques et le vocabulaire de base ou les énoncés d'observation. Le programme s'accomplit par des énoncés protocolaires, des procès-verbaux, des comptes rendus, des résultats de l'expérience. Les conventionnalistes eux-mêmes expliquent les erreurs et les contradictions de la science par l'usage impropre du langage, comme l'équivocité de ces termes. Pour eux, le langage n'est pas seulement l'instrument de connaissance, il est aussi son objet, mais pas l'unique objet comme le croyait le positivisme logique. Maintenant, quelle est la situation faite aux mathématiques? La position de Carnap est particulièrement nette. La science formelle, dit-il, n'a absolument aucun objet. Elle est une syntaxe propositionnelle, auxiliaire, dégagée de tout objet, vide de tout compteur. Selon Hassan, il y a une homogénéité entre la logique et les mathématiques. Selon Wittgenstein, les propositions de la logique sont des tautologies. La conjonction de ces deux thèses, réduction des mathématiques à la logique suivie de la réduction de la logique à des tautologies, a pour conséquence le transfert aux propositions des mathématiques de la vacuité des propositions de la logique. De ce point de vue, les mathématiques sont réduites à un simple jeu de langage, à de simples recettes permettant de transformer, de régler le discours. Les mathématiques, dit Hassan, sont seulement l'art de dire la même chose en des mots différents. Les mathématiques, ajoute-t-il, sont la discipline où l'on ne sait jamais de quoi l'on parle, ni ce que l'on dit est vrai. Hassan rejoint par là l'extrême nominalisme de l'empirisme logique. Chez les physiciens newtonianistes, l'activité mathématique est comparée à une activité ludique, telle qu'une partie d'échec. Un langage précis, commode, simple, introduisant l'élégance dans la théorie physique et une axiomatique qui aboutit à l'économie de la pensée selon le principe, bien sûr, de Marx. La conception des mathématiques comme un simple auxiliaire linguistique qui a seulement une fonction expressionniste n'a pas manqué de soulever des critiques. Voici quelques considérations qui paraissent les soutenir. La découverte de Lacan, du quantum d'action, les lois de distribution de vitesse de Maxwell constituent une nouveauté par rapport aux molécules électrochoquées. La découverte de l'être dérivé température par la puissance combinatoire des mathématiques. La synthèse chimique, qui est une rencontre entre le réel et la pensée réalisante. L'électron n'est pas un élément simple, mais apparaît comme un tissu de relation. Il y a plus. L'expérience elle-même n'est pas une passivité, un enregistrement de données, mais une activité, une sollicitation. La construction de l'expérience est une observation simple sont des théories en acte. Le détour technico-théorique, le dialogue entre la raison et l'expérience sont à la base d'une épistémologie dialoguée. D'après cette vision, les mathématiques ne sont pas un simple langage, un instrument de communication, une expression, au sens où l'on dirait que les mathématiques expriment la vie. Ils sont une puissance constructrice, déductive et spécifique, et permettant d'organiser la connaissance selon une autre structure. Les mathématiques sont l'instrument même de la pensée par relation. Ils obligent la pensée elle-même à jouer selon des articulations ouvertes, en fonction d'un processus de rectification, de régularisation, et de l'urbanisation, comme disait par exemple Gaston Bachard.
la logicisation de la philosophie révèle ses limites. Il s'agit d'un réductionnisme scientiste qui méprise l'histoire et s'attache à l'éclat utopique d'une science parfaite comme moyen d'une thérapie efficace. La syntaxe logique du langage est insuffisante. L'appel à la prudence linguistique ne résout pas le problème des conflits idéologiques. Aujourd'hui, le débat sur la science, son espoir et sa philosophie n'est pas clos. L'espoir, c'est-à-dire le sens de la possibilité sans lequel il n'y a ni critique ni avenir de la science. La science n'est jugée par la philosophie que dans la mesure où il se juge elle-même. Face à l'émergence d'un néoscientisme dont la technoscience est le domaine d'exercice, sous sa forme instrumentaliste et biomécaniste, la tâche propre de la philosophie, comme dit Georges Canguilhem, ne consiste pas à augmenter le rendement du savoir, mais à lui rappeler le sens de son pouvoir. Merci. Peut être lu comme le manifeste d'une philosophie politique ou d'une poétique philosophique,
qu'il est d'abord le renoncement heureux à cet espoir absurde que la philosophie place dans le langage. Est-ce renoncer pour autant à la philosophie elle-même au profit soit d'une analyse logique des énoncés, soit d'une forme de mysticisme silencieux? Nous ne croyons pas. Pour cela, il faudrait que la philosophie soit indissociable justement de la profantie. Or, nous trouvons dans l'histoire de la philosophie elle-même les ressources d'un autre philosophé, d'une pensée fracturée, d'une pensée de la multiplicité, de l'éclatement et du problème, le bloqué Hathaway qu'affectionnait tant Wittgenstein lui-même, une philosophie qui n'aime pas le sérieux de la pensée totalisante. C'est cette profonde légèreté qui est une collection de poétique et que nous espérons montrer justement dans l'ouvrage en question. Si le poète allège le monde quand le sérieux de la vie gâte les choses, la pensée du Cratatus, elle, allège les idées quand la philosophie comble l'esprit. Nous aborderons d'abord la question des limites du langage et de la philosophie, qui est la question principale du Cratatus. Donc toute la critique de la philosophie qu'on y trouve, elle repose sur l'examen d'abord de la nature propositionnelle du langage et de la pensée, puisqu'une pensée est, dit Wittgenstein, la proposition douée de sens. Une proposition, c'est soit une proposition complexe, soit une proposition élémentaire. La proposition complexe est celle qui comporte plusieurs variables propositionnelles reliées par un ou plusieurs opérateurs. C'est par exemple une proposition du type P et Q, ou encore non P ou Q et R. Une proposition élémentaire, quant à elle, est une proposition qui ne peut être décomposée en d'autres propositions. Wittgenstein écrit la chose suivante. Il est patent que par l'analyse des propositions, nous devons parvenir à des propositions élémentaires qui consistent en nous dans une connexion immédiate. La question est alors de savoir comment se produit la connexion propositionnelle. Notons bien que Wittgenstein considère que la question est celle de la connexion propositionnelle et non de la connexion nominale. L'analyse du sens ne descend jamais en dessous du niveau propositionnel, car les noms sont, dans la proposition élémentaire, dans une connexion immédiate. Wittgenstein affirme par là que la signification des termes qui composent une proposition n'a pas à être analysée. La proposition élémentaire est un atome sémantique. C'est là où l'analyse logique s'arrête. Pour Wittgenstein, il appartient à l'essence même d'un tel type de proposition de ne pouvoir être analysée, car cela signifierait, si elle pouvait être décomposée, que justement elle ne serait pas élémentaire ni complexe. Mais s'il voit cet objet, nous ne lui avons rien montré d'autre que la lune qu'il voit déjà. Nous lui avons simplement indiqué la règle de substitution suivante, la lune égale ceci. Ces noms peuvent être échangés dans des propositions équivalentes. Donc, la définition est une règle concernant les signes. Elle ne concerne pas le sens de la proposition, mais seulement la syntaxe. Et en indiquant quel nom ou quel groupe de noms peut être substitué à un autre, elle ne dit rien à cette définition, sinon une règle de substitution. La définition, aussi contre-intuitive que cela puisse paraître parfois aux philosophes, ne nous apprend rien de plus que ce que nous ne savions déjà. C'est peut-être le sens de la réminiscence d'ailleurs chez Socrate. S'enquérir de la signification des termes ne permet donc pas d'énoncer le sens de la proposition. Celui-ci se montre immédiatement dans la proposition elle-même lorsqu'il s'agit d'une proposition élémentaire. En plus de cette réduction de l'analyse intra-propositionnelle à une description syntaxique, Wittgenstein considère qu'on ne peut rien dire de la façon dont une proposition représente un état de choses. S'il était possible de se prononcer sur le sens d'une proposition, alors, paradoxalement, elle n'aurait pas de sens. La proposition est l'image d'un état de choses, c'est-à-dire d'une certaine configuration d'objet.
Dire quelque chose de sensé, c'est proposer l'image d'une situation, où la proposition et la situation partagent ce que Wittgenstein appelle dans le Tractatus la forme logique, qui rend possible la figuration de l'état de choses par la proposition. Pour vous donner une image, c'est par exemple ce qu'un tableau et ce qu'il représente ont en commun. Voilà, ce qui fait que l'un est l'image de l'autre. Au point 4.016, il emploie la métaphore du hiéroglyphe pour illustrer sa conception du rapport entre monde et langage. La proposition est le hiéroglyphe d'une situation au sens où elle représente les faits qu'elle décrit. Dans cette optique, si l'on admet que le sens des propositions élémentaires peut être analysé, on admet qu'il existe des propositions qui ne disent pas comment est le monde, qui ne sont pas l'image d'une situation, mais comment ce monde est représenté. Il faudrait pour cela que ces propositions concernent un monde avant sa représentation dans le langage. Ce serait un monde de pure donnée sensible, qui n'auraient pas encore reçu leur forme grâce au nom, et donc un monde sans objet déterminé. Mais que dire d'un monde sans objet? C'est aussi un monde sans substance, dit Wittgenstein. Les objets constituent la substance du monde, écrit-il. Et il dit, si le monde n'avait pas de substance, il en résulterait que pour une proposition, avoir un sens dépendrait d'une autre proposition. Les objets, en effet, sont la substance du monde, au sens où ils sont ce qui demeure indépendamment de la diversité des événements. Ils existent sous specie aeternitatis, et leur image est donnée immédiatement dans le langage par les noms. Voici la thèse, en tout cas, du Tractatus. Ce qui nous intéresse, c'est justement ce que Wittgenstein dit de la proposition. Il dit, s'il n'y avait pas de substance du monde, alors chaque proposition, dans sa signification, serait conditionnée par la vérité d'une autre proposition. En examinant la façon dont une proposition représente un état de choses, c'est-à-dire la façon dont chaque nom dénote chaque chose, le sens de cette proposition dépend alors de la vérité de celle qui l'analyse. Si l'on partait d'un monde sans objet déterminé, voici l'hypothèse, dont quelque chose puisse être dit, il faudrait que des propositions fixent la signification des noms en déterminant en même temps les objets que ceux-ci désignent. Il faudrait aussi que ces propositions soient vraies. Mais pour qu'elles soient vraies ou fausses, ces propositions devraient d'abord avoir une signification, elles devraient d'abord avoir un sens, et le problème se renouvelle, on est renvoyé indéfiniment à d'autres propositions. Si l'on doit fixer la signification des noms en déterminant au préalable chaque objet dont le nom est l'image, la vérité et la signification forment un cercle qui les supprime toutes les deux. Il faut un point de départ dont le sens est immédiat. C'est la proposition élémentaire dans le Tractatus. La conséquence de ces deux arguments, le premier qui démontre la nature analytique des définitions, et le second qui explique l'impossibilité d'un métalangage absolu qui énoncerait le sens des propositions, est qu'il faut que les propositions montrent leur sens, c'est-à-dire qu'elles indiquent clairement l'état de choses dont elles sont l'image, sans nécessiter d'éclaircissement supplémentaire. Le sens se montre, il ne se dit pas. Nous comprenons ici que le Tractatus n'est pas la construction d'un langage idéal, d'un métalangage englobant, qu'il considère tout simplement comme impossible. Au contraire de Carnap, Carnap qui considère le métalangage comme une possibilité de la philosophie et même un devoir de la philosophie. Il est plutôt l'analyse des conditions transcendantales de signification, de ce qui est commun à tout langage pour qu'il puisse être signifiant. Et ce que dégage Wittgenstein, c'est l'impossibilité pour le langage de dire son sens, c'est-à-dire dénoncer la façon dont il signifie le monde. C'est là une limite absolue. Wittgenstein explique aussi qu'en ayant tout dit, nous n'aurions encore rien dit du tout, puisque le sens ne se laisse pas dire. Il ne fait que se montrer. En fait, le discours vrai absolument, entendons par là celui qui, pour chaque situation possible, aurait fixé les valeurs de toutes les propositions élémentaires, ce discours vrai ne dit encore rien de substantiel. Il nous dirait seulement « le monde est ainsi ». Nous aurions le tableau complet, l'image totale, mais toujours le point aveugle du lien entre l'image et ce dont elle est l'image. Wittgenstein ne se contente pas de remettre le discours vrai entre les mains des sciences naturelles, car il ne fait que décrire le monde. Il en souligne aussi la vanité, puisqu'en décrivant le monde, les sciences ne l'expliquent pourtant pas. C'est là un double coup porté à la philosophie comme apophantique. Non seulement il n'y a pas de vérité métaphysique, mais en plus, il ne faut rien attendre de la vérité. Pour Wittgenstein, la vérité est sans valeur. Elle n'arrive jamais à accéder au sens. Dans cette première partie, nous nous sommes efforcés de montrer comment la conception propositionnelle et atomique du langage que défend le Tractatus conduit à une dévalorisation du discours vrai. Mais la question qui se pose alors, c'est est-ce que le Tractatus ne nous propose pas finalement en contrepartie un silence mystique, purement contemplatif, un échappatoire au discours qui permettrait de renouer en quelque sorte avec l'absolu et le sens. Nous voulons montrer ensuite que Wittgenstein parvient à sortir de l'alternative entre analyse et silence mystique. En effet, l'ouvrage se conclut sur une thèse en apparence toute négative, sur un dilemme qui sonne le glas de la philosophie. Soit elle est un discours qui ne dit rien, un propos purement analytique qui pointe les excès des tentatives métaphysiques, et donc elle est totalement autoluite,
soit elle garde le silence, puisque l'essentiel ne se laisse pas dire, c'est là le mystique. Et Wittgenstein semble à première vue opter pour la seconde solution, en disqualifiant sa propre démarche, en abolissant son propre discours, ce qui le distingue d'ailleurs profondément du positivisme et du néo-positivisme logique. Il estime que tous les problèmes philosophiques ont été résolus par leur évacuation, et qu'il ne reste que les questions de la science, à l'égard de laquelle il éprouve une certaine indifférence, voire même plus tard dans sa vie, une extrême méfiance. Quelle différence donc entre la pensée du Tractatus et une introduction au mysticisme? La solution, nous la trouvons dans l'ontologie du Tractatus, qui est justement, on va dire, une critique acerbe du monisme ontologique. Wittgenstein rejette complètement toutes les intuitions qu'on peut trouver dans la philosophie allemande ou dans la philosophie de William James ou de Bergson à son époque. Il rejette tout simplement, l'idée d'un principe unique et transcendant ou immanent, animant toute chose, qu'on l'appelle bien un Dieu, esprit, élan vital, etc. Il relèverait d'intuition et non pas de la connaissance discursive. C'est précisément cette chose-là que Wittgenstein rejette. Si ce sentiment de la totalité est présent dans le Tractatus et que l'indicible, nous dit Wittgenstein, se montre, l'orientation de la réflexion est dirigée contre toute forme de monisme ontologique. Pour Wittgenstein, on ne sort ni du monde ni du langage, qui ne nous donne accès qu'à une réalité qui est plurielle et atomisée. Il faut consentir à cette finitude fondamentale qui est la nôtre, et le mystique, et le phénomène de cette convergence, de ce « il y a du monde ». Il n'est pas un absolu qui s'annonce négativement, mais le phénomène du monde, le fait qu'il détermine rien de plus. Il semble que les concepts de transcendance et d'immanence ne soient pas pertinents pour la philosophie de Wittgenstein. S'il y a un mysticisme du Tractatus, il diffère profondément de toute tradition dans la matière. Souvenons-nous que pour Wittgenstein, les objets sont la substance du monde, c'est ce qu'on avait dit en première partie, et que tout état de choses consiste en une certaine configuration d'objets. Ceci implique que le monde, qui est la succession des états de choses subsistants et non subsistants, n'est rien d'autre qu'une succession de tableaux, où les objets tiennent des positions différentes. Le monde du Tractatus, pour donner une image, c'est une pellicule cinématographique, ou, à la limite, une succession de plans fixes. Bien loin de la vision unitaire du réel qui réalise la synthèse des divers phénomènes dans un regard englobant, ou les considère dans une unité spatiale ou temporelle, le Tractatus rappelle l'indépendance fondamentale des états de choses. Les objets subsistent indépendamment des événements, même si on ne peut rien en dire, ils sont les atomes de la réalité, et les états de choses sont eux-mêmes distincts, spatialement et temporellement, sans quoi ils seraient dans une continuité indéterminée, un petit peu un monde lamennisien, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas de structure. Mais admettre l'indépendance des états de choses, c'est admettre l'absence de lien essentiel et nécessaire entre deux états de choses. Wittgenstein reprend finalement les thèses de Hume et considère qu'il n'y a pas d'implication nécessaire entre un fait A et un fait B. Il écrit « De la subsistance ou de la non-subsistance d'un état de choses, on ne peut déduire la subsistance ou la non-subsistance d'un autre état de choses. » Ici, le Tractatus prend vraiment des accents qui ne sont pas sans rappeler les conclusions de Hume, dont il utilise des exemples ou de la critique kantienne. Le rapprochement entre Kant et Wittgenstein est devenu un principe qui permet de rattacher le Tractatus à une tradition critique. Si cela permet d'insister sur le côté transcendantal de la démarche, cela occupe en revanche complètement le fait que Wittgenstein, méthodologiquement et métaphysiquement, refuse toute possibilité d'unification et rompt aussi totalement avec le présupposé fondamental que l'on va trouver chez Kant, qui est l'idée d'un sujet s'autodéterminant lui-même. Admettre ce présupposé serait renouer avec une forme voilée de monisme ontologique. Pourtant, Wittgenstein écrit « Je suis mon monde ». Il ajoute « Les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde ». De même, on trouve l'affirmation « Car ce que veut signifier le solipsisme est tout à fait correct ». N'est-ce pas là la réhabilitation d'un subjectivisme qui ouvre la voie à une compréhension systématique du monde dans l'intuition du « moi », un petit peu à la manière de Fichte ou de Hegel? La place que Wittgenstein accorde à la subjectivité dans le Tractatus est une place négative. Il situe le sujet en dehors du monde. Et ce n'est pas pour lui accorder une transcendance qui lui garantirait un regard libre et surplombant. Cette coïncidence entre le monde et mon monde, entre mon monde et mon langage, c'est d'abord et surtout un indice de notre finitude. Impossible de sortir du monde et du langage. La vérité du solipsisme ne se dit pas, elle se montre sous la forme d'un sentiment d'impuissance et de faiblesse, faiblesse des discours, impuissance à transcender les mots. Les frontières de mon monde dont parle Wittgenstein ne sont pas des frontières perçues de l'extérieur, elles sont toujours senties de l'intérieur, mais ne peuvent se verbaliser. Et le solipsisme s'annule en réalité lui-même. Il nous explique
on voit que le solipsisme, développé en toute rigueur, coïncide avec le réalisme pur. Le jeu du solipsisme se réduit à un point sans extension et il reste la réalité qui lui est coordonnée. En pratiquant une démarche solipsiste, en fait, on retombe sur le monde. La réalité est le seul reste du solipsisme. Le contenu réel du solipsisme pleinement développé est une abolition de la subjectivité de Wittgenstein. Le jeu nous ramène au monde dont nous ne sortons jamais. Il s'annonce simplement comme la limite de celui-ci. Et ce monde qui nous apparaît dans notre langage est le monde pluriel et atomisé que nous avons décrit plus haut. La vérité du solipsisme n'est donc pas la manifestation d'une quelconque unité intuitive, mais la reconnaissance du fait que la pluralité contingente du monde est insurmontable. Bien sûr, c'est la pluralité contingente du monde langage, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Si le Tractatus n'est pas une introduction au mysticisme, qui entendrait d'abord abolir la philosophie dans un silence contemplatif, c'est en raison de cette ontologie pluraliste et antisubjectiviste qu'il défend. Celle-ci ne laisse pas de place à l'extase que l'on voudrait lire dans le point 7 du Tractatus, qui, je le rappelle, dit ce dont on ne peut parler, à propos de ce dont on ne peut parler, il nous faut garder le silence. Il n'y a pas d'échappatoire dans le Tractatus qui réhabiliterait une forme d'absolu. Il nous ramène toujours dans un mouvement quasi circulaire au langagement dans lequel nous sommes toujours et à sa contingence. Nous sommes face au factum du langagement. C'est là le ressort poétique de la philosophie wittgensteinienne. Elle renonce paisiblement à l'absolu. Elle n'est pas une anabase, une élévation, mais le consentement à une réalité fragmentée, définitivement impossible à synthétiser, que le style du Tractatus rend bien dans ses aphorismes successifs. Ce n'est pas sans rappeler ce mot de Reverdy dans le livre de Bombard. Il écrit que le poète pense en pièces détachées, idées séparées, images formées par continuité. Le prosateur s'exprime en développant une succession d'idées qui sont déjà en lui et qui restent logiquement liées. Wittgenstein n'est pas un prosateur, et le Tractatus est bien loin d'être un système discursif et démonstratif. Du point de vue du contenu et de la forme, c'est l'éparpillement qui règne, ontologie pluraliste et expression aphoristique. Vers une poétique philosophique, enfin. Nous pourrions pourtant voir, semble-t-il, dans le Tractatus, une progression systématique qui va de l'ontologie à la mystique, en passant par la théorie de la connaissance, de la signification, les fondements de la métaphysique et la question de l'éthique. Le Tractatus semble à bien des égards se présenter comme un traité de métaphysique dans la plus pure tradition dogmatique. Il fait l'économie de toute argumentation et énumère successivement, peut-être par ordre d'importance ou d'évidence, vérité a priori qui dresse progressivement une conception du monde et une réponse aux problèmes fondamentaux de la connaissance et de la vie. Il n'a en cela rien à envier à l'éthique de Spinoza ou à la monadologie de Leibniz. Si telle est sa nature, le Tractatus contient alors une contradiction flagrante entre son contenu et sa forme, et il fait lui-même partie des discours dépourvus de sens qu'il entend évincer, d'où l'invitation, à la fin du livre, à jeter l'échelle après l'avoir gravi, c'est-à-dire à fermer le Tractatus et à le jeter après l'avoir lu, puisqu'on le reconnaît enfin, dit Wittgenstein, comme un non-sens. Max Black pose cette question à propos de Wittgenstein. Était-il un métaphysicien rationaliste manqué ? Qui aurait peut-être voulu emporter avec lui toute la métaphysique. Dans le Tractatus, il semble souvent que l'on fait encore de la philosophie au sens traditionnel, c'est-à-dire de la métaphysique. On s'enquiert de l'essence du langage pour tracer la frontière entre ce qui peut être dit d'un côté et ce qui ne peut qu'être montré de l'autre. Du point de vue de la forme, c'est aussi ce qui distingue le Tractatus des autres œuvres de Wittgenstein plus tardives. Si on prend par exemple les recherches philosophiques, elles ressemblent véritablement à une casuistique toute provisoire, là où justement le Tractatus se présente comme une œuvre totale et définitive. Peut-on éviter la contradiction d'une œuvre qui dénonce ce qu'elle est ? Quel est le style philosophique au fond du Tractatus ? Nous voulons voir dans cette attitude paradoxale qui traverse tout le traité une volonté d'un autre, la volonté d'un autre de philosophie, qui s'approche une bonne porte de la prévention du système, de la passion du proposerait un silence contemplatif contre une glose philosophique dépourvue.
Même si l'on pourrait voir le Tractatus comme un traité de logique programmative pour l'empirisme et le positivisme, cette interprétation souffre du fait que Wittgenstein a toujours refusé de prendre part aux discussions du cercle de Vienne. Le projet analytique lui paraît certainement bien de séduire. Nous n'aurions plus l'impression de faire de la philosophie, même si c'est ainsi qu'il serait, dit-il, strictement correct d'en faire. Ce doit être la raison pour laquelle le Tractatus se présente comme définitif. Il rompt avec une certaine philosophie qui est dépourvue de sens, et celle qui est susceptible de lui succéder, et bien il la considère comme sans intérêt. Elle n'est pas là pour nous enseigner quoi que ce soit, puisque son propos est dépourvu de sens et que l'essentiel ne peut se lire. Elle est là pour nous changer la philosophie du Tractatus, pour changer notre manière de penser, notre façon de faire de la philosophie, en créant un certain vide, en créant une certaine dépression au cœur même de la philosophie. Le Tractatus est d'abord un discours performatif. Wittgenstein le dit. Il dit « Il faut dépasser ses propositions pour voir correctement le monde. En somme, il faut dépasser le Tractatus lui-même pour accéder à une réalité corrigée. Certains osent la comparaison entre Wittgenstein et Heidegger, disant que Wittgenstein et Heidegger condamnaient une certaine forme de langage qu'on pourrait appeler globalement le bavardage au profit d'une certaine forme de clarté. Mais il y a quelque chose chez Heidegger qu'on ne trouvera pas chez Wittgenstein, qui est ce regret à propos du langage. Il y a une certaine conscience malheureuse chez Heidegger, un regret que le langage ne dise pas véritablement les choses. Chez Wittgenstein, il n'y a pas ce regret-là, il consent finalement à notre finitude langagière. Finalement, la clarté du Tractatus n'est pas une clarté tout en exaltation, c'est plutôt une clarté en retenue et en sobriété contre l'exaltation. Je conclue. Si toute philosophie apparaît comme un commencement, comme une démarche inouïe qui fait le pari de reprendre la pensée depuis le début, il semble pourtant que ces reprises souvent s'épuisent en doctrine. Elles passent fatalement du mouvement au repos et deviennent des choses en cessant d'être des pensées. Car selon le beau mot d'Alain, que vaut une preuve que l'on ne réfléchit plus ? Il n'y a de pensée réellement pensée que dans l'incertitude qui est en même temps la liberté, l'absence de nécessité. S'il y avait une seule idée nécessaire, elle ne demanderait pas à être pensée et elle ne serait pas une idée mais une chose. En affirmant les limites du langage contre les prétentions de la profondeur, en déployant une idéologie pluraliste de la culture, en proposant des marques de la culture, 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 pas plus qu'on peut attendre quoi que ce soit de la vérité, ou pas plus qu'on peut se reposer dans la contemplation ou même sur la doctrine du Tractatus, tout est toujours à faire. Et le Tractatus nous renvoie à nous-mêmes, au présent dans lequel notre pensée doit s'exercer, livrée à nous-mêmes, en n'ayant que la nouveauté et l'incertitude pour territoire. C'est là ce que nous choisissons de nommer poétique-philosophie, ou philosophie-poétique. C'est ce discours performatif qui rend la pensée à elle-même, qui interdit le repos, et qui, comme le fait le regard politique, l'oblige à vivre dans un continuel matin, un perpétuel commencement qui est l'éternité elle-même. Merci M. Dimitri pour votre communication. Je trouve très cohérente. Une communication qui contient au moins trois entrées, je dirais, à un didacticien. Le texte d'objet de cette intervention, nonobstant, si vous voulez, son caractère un peu éthique, un texte d'après quelques 100 pages, 90 pages, mais pourtant il est d'une densité très remarquable. Ce qui interpelle le lecteur, c'est que quand on lit un traité, on s'attend justement à un langage qui n'échappe pas à l'hermétisme. Et pourtant, il est bien jalonné de. D'aphorisme, d'écriture aphoristique. Donc s'il y a peut-être une idée maîtresse à retenir, c'est que on doit faire le distinguo entre ce qu'on peut exprimer, ce qui relève du visible, et ce qui relève de l'ineffable. Et quand on force le langage, pour exprimer ce qui relève justement de l'invisible, là on tombe ipso facto dans le langage devient insensé, et voire même frappé de vacuité. Donc je vous remercie encore une fois. Vous avez aussi évoqué la dimension mystique que recèle ce traité. Et je voudrais ici faire une petite trêve, compte tenu du souhait du comité d'organisation. Nous allons marquer une petite pause de 20 minutes.
Je vous invite à la buvette et à un peu de ce café. Et après, nous allons reprendre le train. Par le phénomène qui constitue ici l'objet d'étude, il s'agit du langage, le socle de la philosophie analytique. Ce dernier est-il physique ou métaphysique? Se trouve-t-il du côté de la matière ou de l'idée? Pour concrétiser cette façon de voir, nous n'allons pas répondre à ces dernières questions, mais nous allons poser une problématique qui spécifie une partie du phénomène de langage. Constatons par là que c'est un phénomène divisible. Le langage est un phénomène divisible. Notre problématique est, qu'est-ce qui caractérise le langage philosophique? Comment se constitue-t-il? Et comment fonctionne-t-il? Les réponses nous conduiront à discuter de langage philosophique en tant qu'il est d'abord notionnel, puis opérationnel et enfin médiationnel, avec des choses que nous allons sauter. Le langage philosophique est un langage notionnel. Les philosophes ne se donnent pas pour tâche d'inventer le langage, ils se suffisent de le réutiliser à leur manière. Serge Latouche dit dans son livre Procès de la science sociale que la langue est ce qui est déjà là pour qu'on puisse penser l'homme et penser en tant qu'homme. Nous pouvons lire, par exemple, sous la plume d'Olivier Abel et Jérôme Fauré, rare mon auteur s'est autant appuyé sur la langue telle qu'elle, et rigueur ne s'est pas créé une langue propre et il a peu forgé de mots nouveaux. Pourquoi forcer les mots à jouer quand on les laisse, ils jouent tellement plus et tellement mieux? Mais Ricœur a observé et discerné des usages déjà là qu'il a soigneusement cherché à mettre en ordre. Les langues ont cette faculté à offrir à chacun ce qu'il veut utiliser. Il est vrai, cependant, qu'il ne donne pas à tous ce qu'ils veulent exprimer. C'est la langue qui trahit, selon une certaine métaphore. Fabienne Cousin-Berche constate que les philosophes emploient le « on ». Les psychanalystes utilisent le « moi », le « surmoi », le « je » et le « ça ». Les marchandiseurs, par là il veut dire les gens de marketing, les techniciens de marketing, usent de « moi, nous ». De même, peut-on considérer que le pronom possessif est susceptible d'accéder à un statut nominal, puisque les liens sont mutables avec le sous-entend d'entourage. Nous remarquons, d'après cette citation, que le travail consiste à transformer des pronoms en noms.
nous postulons de notre côté que la relation principale du philosophe langage est une relation nominale. La philologie est venue conforter cette relation où les verbes et les autres parties du discours ne sont que des éléments d'expression et nullement de réflexion. En plus d'être nominal, l'utilisation du langage en philosophie est notionnelle, puisqu'elle n'est conceptuelle, le concept étant une faculté, une manière de se représenter une chose concrète ou abstraite, un résultat de ce travail, pour une représentation mentale abstraite et générale, objective, stable, munie d'un support verbal. Alors que la notion est connaissance immédiate, intuitive de quelque chose, une connaissance d'ensemble, élémentaire, acquise de quelque chose, une construction, une représentation de l'esprit ou une idée générale et abstraite en tant qu'elle implique les caractères essentiels de l'objet. Le langage philosophique est notionnel puisqu'il travaille sur des notions plus que sur toute autre chose. La réflexion naît des noms et nullement des autres parties du discours. C'est vrai qu'elle est seconde par rapport aux mots, c'est-à-dire la réflexion est seconde par rapport à l'emploi des mots, mais c'est elle qui leur donne leur valeur philosophique. La réflexion donne la valeur philosophique aux mots et aux noms qui sont donnés par les philosophes. La preuve de cette notionnalité, nous créons le mot ici pour les besoins, la preuve de cette notionnalité se trouve dans les livres qui traitent des lexiques ou vocabulaire des philosophes et penseurs. Nous avons constaté que dans tous les livres qui traitent, par exemple, le vocabulaire de Merleau-Ponty, lexique de Lacan, etc., Dudeleu, c'est toujours des noms et jamais d'autres types de discours. Se trouve dans les livres donc, qui traitent des lexiques au vocabulaire des philosophes et penseurs. Dans ces livres, toutes les entrées sont des notions présentées en tant que substantifs. Donc, le nouveau vocabulaire de la philosophie d'Armand Quimillier, par exemple, dans toutes les entrées de la lettre A, il n'y a que deux verbes, celle de lettre B, aucun verbe, et celle de lettre C, plus longue que les deux, ne contient que deux verbes, elle aussi. Donc, tout un dictionnaire où les verbes n'ont pas de place. Comme exemple de cette nominalisation, comme exemple de cette notionnalisation, nous pouvons citer entre autres l'existentialisme et l'humanisme de Sartre. Ce titre est une idée générale de l'ouvrage où le philosophe explique une notion par une autre qui a une charge historique, la charge historique de mots humanisme dans la pensée occidentale. Il y a aussi l'étang chez Heidegger, puis chez Levinas. La notion de l'étang est construite à partir et par rapport à celle de l'être. Nous pouvons aussi citer Hegel dans sa phénoménologie de l'esprit. Selon ce dernier, l'universel est donc en fait le vrai de la certitude sensible. Dans notre dernier exemple, nous citons Maurice Merleau-Ponty. On voit, dit-il par là, le vrai sens de la célèbre réduction phénoménologique. Il n'y a sans doute pas de question sur laquelle Husserl ait mis plus de temps à se comprendre lui-même. Pas de question aussi sur laquelle il soit plus souvent revenu, puisque la problématique de la réduction occupe donc les inédits une place importante. Pendant longtemps, et jusque dans les textes récents, la réduction est présentée comme le retour à une conscience transcendantale devant laquelle le monde se déploie dans une transparence absolue, animée de part en part par une série d'appréciations que le philosophe serait chargé de reconstituer à partir de leurs résultats. Lorsqu'on parle de la réduction philosophique, et puis de la réduction phénoménologique, ce n'est plus le terme de réduction qui est employé, par exemple, dans la cuisine ou dans le langage romain. C'est une notion qui est chargée par ce que le philosophe y a ajouté comme sème, et ce sont des sèmes purement philosophiques. Le langage philosophique, c'est le deuxième point, est un langage opérationnel. Dans le domaine des sciences, on parle de recherche opérationnelle. Selon Robert Faure et ses collaborateurs, plutôt qu'un arsenal de méthodes mathématiques adaptées à l'optimisation des processus de production et de diffusion des produits,
La recherche opérationnelle est l'ensemble des méthodes et techniques rationnelles d'analyse et de synthèse des phénomènes d'organisation utilisables pour élaborer de meilleures décisions. C'est d'ailleurs tout ce que cherche la philosophie, qu'elle soit métaphysique, phénoménologique ou analytique, avec la seule différence qu'au lieu de meilleures décisions, la spéculation en philosophie cherche plus de compréhension et de maîtrise des notions du monde. Le langage philosophique est opérationnel puisque c'est à travers lui que s'élabore toute méthode ou stratégie particulière pour aborder et chercher à résoudre les problèmes dont traite la philosophie. Je vois une petite parenthèse, par exemple l'intervention précédée, dans le tractus, c'est un langage qui fait naître un autre langage. Et ce n'est pas seulement chez Wittgenstein, mais chez presque tous les philosophes, le langage est là pour donner un autre langage et pour donner des opérations qui permettent de saisir d'autres opérations. Et là, on pourrait être non d'accord avec Wittgenstein parce que si on ne saisit pas, il n'y a rien. Et donc, la saisie, il se passe par une opération, et cette opération, il ne peut être que par le langage. Il est vrai que la pensée et le langage sont problématiques dans leur relation, mais l'un ne peut exister sans l'autre, et l'autre ne peut exister sans l'un, et donc leur présence, elle est là, et peut-être qu'on peut poser une question sur tout ce qui a été dit en philosophie. Donc, il est aussi le langage philosophique est opérationnel puisque c'est à travers lui que s'élabore toute méthode ou stratégie particulière pour aborder et chercher à résoudre les problèmes dont traite la philosophie. Il l'est aussi quand il permet de construire la connaissance à travers la construction des notions et ce qui s'ensuit comme opérations qui partent des mots de la vie quotidienne pour aller vers la transcendance. Jacques Bouvers nous donne une comparaison très parlante pour illustrer cette opérationnalité, le mot aussi il est fabriqué, opérationnalité de langage philosophique. Il dit, le paysan utilise toutes les propositions de la philosophie la plus abstraite, mais seulement enveloppées, dissimulées, liées, latentes, comme disent le physicien et le chimiste. Le philosophe nous donne les propositions pures. Il a fallu attendre la philosophie analytique pour que ce principe d'opérationnalité qui existait en sous-jacence soit remis au devant de la scène. Pour Bruno Leclerc, simultanément à la question du statut du nombre est en effet posée à nouveau fait plutôt, la question de l'existence. Et celle-ci reçoit chez Fridge une réponse tout à fait originale à partir de la distinction logico-grammaticale du concept et de l'objet, réponse qui va d'ailleurs mener Fridge à penser le concept comme fonction. Il serait une fonction, et puisqu'il est fonction, donc c'est une opération, ce qui aura une importance décisive pour toute la philosophie analytique. Une réflexion par le langage sur le langage existait déjà chez Hegel. Il dit dans sa phénoménologie de l'esprit, c'est aussi comme un universel que nous prononçons le sensible. Ce que nous disons, c'est ceci, c'est-à-dire le ceci universel, ou encore il est, c'est-à-dire l'être en général. Nous ne représentons pas assurément le ceci universel ou l'être en général, mais nous prononçons l'universel. En d'autres termes, nous ne parlons absolument pas de la même façon que nous disons dans cette certitude sensible. Mais, comme le voyant, c'est le langage qui est le plus vrai. En lui, nous avons jusqu'à réfuter immédiatement notre avis, et puisque l'universel est le vrai de la certitude, et le vrai de la certitude sensible, et que le langage exprime seulement ce vrai, alors il n'est certes pas possible que nous puissions dire à un être sensible que nous disons. Le même cas se produit pour l'autre forme. Pour expliquer cette idée de Hegel, le fait de dire ou de désigner est en lui-même une action, c'est une opération, et en jouant avec le langage, il est là entre le langage et le monde. Et en étant entre le langage et le monde, il prend la pensée et il la reformule, mais cette pensée n'est-elle pas elle-même le langage ?
Alors, l'essentiel de l'opérationnalité de langage philosophique réside dans sa capacité à l'abstraction. Dans le vocabulaire de Guillaume d'Occam, c'est l'acte, je le cite, c'est l'acte par lequel l'intellect dégage du singulier un concept universel apte à servir de signe à une pluralité d'individus. Si je prends par exemple le mot marxisme, fondé ou construit à partir de termes qui existent déjà, Marx, et là, le simple fait de prononcer le mot marxisme, on amène la personne qui les écoute à aller vers un système de pensée, et ce système de pensée va se trouver à l'opposé d'un autre système de pensée, et donc on est soit dans la polémique, soit dans la continuation, et on est en train de créer des opérations à travers tout simplement ce travail sur le langage. Le troisième et dernier point, le langage philosophique est un langage médiationnel. C'est aussi un mot que nous forgeons. Le langage philosophique est médiationnel quand il joue le même rôle que celui de la prophétie et cherche à répondre à la question du comment et, dans d'autres égards, à la question du pourquoi. La philosophie joue le rôle du médiateur entre les hommes et la connaissance profonde, matériel et surtout non matériel du monde, entre les hommes et la vérité, entre les hommes et l'absolu, entre les hommes et le monde infini. S'il n'y avait pas de prophétie, s'il n'y avait pas de philosophie, les hommes ne se suffiront à parler de ce qu'ils voient, de ce qu'ils montrent, de ce qu'ils touchent, mais ils n'iront pas à discuter de ces mondes infinis ou de ces mondes qui n'existent que dans nos têtes. Je ne sais pas s'ils existent d'ailleurs ou s'ils n'existent pas. Pour Robert Gibbard, la vérité est une médiation entre l'être et l'esprit. Il admet que la réalité, au moins celle du monde sensible, nous est donnée directement. En s'interrogeant sur la manière avec laquelle s'établit le rapport entre l'être et l'esprit, il croit qu'il suffit d'un peu de réflexion pour comprendre que la connaissance ne peut pas être la simple réception d'un donné brut ou le simple enregistrement de l'apparence immédiate. Il serait contraire à la fois au principe d'immanence, qui était dit tout à l'heure, au principe d'immanence et au principe d'objectivité de la connaissance, d'admettre que l'objet peut s'imposer tel qu'il est, tel quel plutôt qu'au sujet, sans que celui-ci et à le ressaisir, à l'approprier, à le reconstruire et à se l'exprimer à lui-même. La connaissance implique nécessairement une recréation idéale du monde réel, c'est dire qu'un intermédiaire, une médiation s'introduit nécessairement entre le sujet connaissant et l'objet connu. Cette médiation, c'est l'ensemble des produits créés par la pensée humaine, concept, relation entre concepts, signes et symboles expressifs qui sont destinés à exprimer le réel devant le regard de l'esprit et le présenter de manière aisément assimilable. Ce langage nominal, qui est celui de la philosophie, renvoie dans cette perspective de médiation à la religion sacrée qui fait remonter l'origine du monde au verbe, et qui rapporte que la première chose que l'homme premier a appris est le nom des choses. Là, je suis dans deux systèmes religieux. Le premier est chrétien, qui dit que c'est le verbe qui était au commencement du monde, et le second, c'est islamique. C'est la première chose qu'Allah a appris à un homme, c'était les noms des choses. C'est une façon de lui dire que, voilà, vous maîtrisez le monde par rapport aux anges qui ne connaissaient pas, ça veut dire quoi, ce qu'ils ont devant eux et qu'est-ce que c'est. Et donc, cette possibilité d'avoir, c'est déjà une première médiation entre l'homme et le monde. Donc ce langage nominal, qui est celui de la philosophie, on voit dans cette perspective de médiation à la religion sacrée qui fait remonter l'origine du monde au verbe et qui rapporte que la première chose que l'homme premier a apprise est le nom des choses du monde. On commence par les noms et on continue avec et par les noms. Hegel exprime autrement ce fait dans un langage qui se décrit lui-même avec une complexité philosophique. Je cite, « Mais l'intérieur ou le delà
suprasensible, l'ingle, a pris naissance. Il provient du phénomène, et le phénomène est sa médiation, ou encore le phénomène est son essence, lui-même son essence, et le phénomène est sa médiation, ou encore le phénomène est son essence, et en fait son remplissement. Le suprasensible et le sensible, et le perçu posé comme ils sont en vérité, mais la vérité du sensible et du perçu est l'être phénomène. Le suprasensible est donc le phénomène comme phénomène. Alors ce langage philosophique qui est médiationnel permet aux hommes, à travers le penseur, à saisir les rapports entre les éléments de l'existence. C'est un langage qui permet de parler dans le même sens et dont le sens est son contraire, sans ressentir la complexité ni l'impossibilité. Nous voyons ici Hegel qui pose que le suprasensible est lui-même le sensible. Ce caractère médiationnel est souvent exprimé comme illumination, comme lumière qui jaillit du penseur pour éclairer le reste du monde. La lumière intellectuelle, estime Jean Fouillard, est la plus haute médiation qui puisse trouver celui qui veut entrer plus avant dans la solitude mystique. C'est le meilleur circuit pour actualiser une extase partant de l'unité, l'idée qui ramènera l'esprit pour une concentration plus vigoureuse. La médiation de langage philosophique exploite ou utilise ses autres caractéristiques pour permettre la construction du savoir, de la connaissance et surtout de la compréhension. Il permet de voir clair dans les choses posées et supposées, de préciser les relations entre les éléments, d'identifier ou de résorber les différences et enfin d'agir sur le monde et sur les idées. Bref, cet esprit de discernement, selon Marc Maeschlack, est capital car il oriente l'attention vers les forces d'attraction ou d'expulsion qui agissent sur l'esprit par la médiation du produit spirituel. Or, ces forces conduisent vers la question du principe qui les anime et qui leur permet d'entrer en communication avec l'intériorité de destinataire, à savoir l'esprit du découvreur qui même entend qu'auto-activité. Je termine. Chaque domaine, pense Martin, possède son propre matériel idéologique et formule des signes et des symboles qui lui sont spécifiques et ne sont pas applicables à d'autres domaines. Le langage philosophique en parallèle avec tous les systèmes et toutes les approches philosophiques se constitue en tant que système et toutes les approches philosophiques se constituent en tant que système qui transcende tous les domaines, tous les domaines de la philosophie. Il est vrai qu'il possède sa propre structuration, nous l'avons vu, il est plutôt nominal, et son propre fonctionnement, il est médiation opérationnel, mais il s'inspire et prend origine dans le langage ordinaire, celui des hommes. Nous avons pu trouver que le langage philosophique se structure suivant des mécanismes qui lui sont propres. Nous avons insisté sur le fait que le langage philosophique est un langage notionnel et qu'il est plus nominal que toute autre chose. Ce langage est aussi opérationnel avec l'élaboration des méthodes et des stratégies de recherche. Il est encore médiationnel quand il joue le rôle de médiateur entre les hommes et les différentes profondeurs de la connaissance. Alors, nous n'avons pas parlé de toutes les caractéristiques de langage philosophique puisque nous pensons par exemple à ce que nous appelons son caractère anti-dérivationnel. C'est une des caractéristiques qui peuvent amener une réflexion. Lorsque on dit réduction, par exemple, la réduction philosophique n'a rien à voir avec le réductionnisme, n'a rien à voir avec réduire qu'on peut trouver dans le verbe. Donc, c'est presque anti-dérivationnel, c'est le mot employé dans le sens constructiviste. Et son caractère à la fois polémique et résorbateur parmi d'autres. Donc, le langage est associé. Et nous avons la possibilité de vous parler. C'est une chance, c'est une aubaine. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Pour la pertinence de votre propos. Merci également pour votre conclusion qui me facilite un peu la tâche du moment que vous avez dressé un bilan de du cheminement de votre réflexion. Je voudrais juste revenir sur ça. Donc, selon votre réflexion, j'ai retenu trois grandes idées. Le
philosophe aux prises avec la philosophie a toujours tendance à privilégier un rapport de soleil, dans un premier temps. Sa notionnalité, c'est votre terme, votre mot, réserve une place de choix au nom, au détriment des autres entités du langage. Deuxième entrée, le langage philosophique est opérationnel. Vous parlez en termes d'opérationnalité. Pourquoi ? Parce que le langage philosophique a tendance à spéculer, hein, à la quête de meilleures solutions, hein, pour résoudre des problèmes donnés. Et enfin, vous avez porté l'accent sur le caractère médiationnel dans le langage philosophique. Vous avez insisté sur le rôle de la prophétie, en quelque sorte, de ce langage, le caractère prophétique de ce langage. Et vous avez également parler de la dimension sacrée, du langage de cette médiation. Hein. Vous avez évoqué l'exemple d'Adam, l'exemple du verbe, hein. C'est pas le verbe qui réfère aussi à Dieu, le verbe c'est Dieu. Hein. Merci, et tout de suite je donne la parole à notre grand collègue, M. Aziz Kmechou, de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'ECNES, qui va nous parler de la justification ou la force des raisons. À propos d'un livre récent de la Ligue de Moutou. Bonjour. Alors, je n'ai, en raison d'un problème technique, je n'ai pas pu malheureusement dupliquer mon écran. J'ai préparé des diapositives pour vous permettre de suivre un peu ma communication, donc je m'en excuse. Chers collègues, chers étudiants, je suis ravi d'être parmi sur un livre récent publié en octobre 2018 aux éditions Fayard par le professeur Ali Benoulou, son intitulé La force des raisons, logique et médecine. Donc, il s'agit de cet ouvrage-là. Mon intérêt pour cet ouvrage, et aussi pour les autres travaux de son auteur, surtout les derniers, trouve sa raison au-delà du lien d'amitié et de coopération que nous avons comme filière de philosophie avec l'intérêt du professeur Benoulou. Cet intérêt, je trouve sa raison principale dans l'intérêt plus général que j'ai pour les questions de rationalité pratique. Cette notion de rationalité pratique, je l'entends non pas dans le sens classique selon lequel une raison, après avoir élaboré ses canons de normativité de façon théorique et sur un niveau purement abstrait, cherche ensuite à appliquer ses règles et critères à une matière concrète et devient par là une raison pratique, mais plutôt je l'entends dans le sens où l'on peut parler d'une différence de nature ou du moins de degré entre une raison théorique et une raison pratique. Une manière, certes approximative, mais suffisante pour les besoins de mon propos ici, de rendre cette différence et la distinction établie par Rayen Perelman, un philosophe et logicien belge auquel j'ai consacré mon travail de thèse, la distinction qu'il établit entre la logique formelle, liée à la démonstration contraignante, et la logique de l'argumentation, qui étudie les diverses manières de justifier les choix auxquels elle nous entend dans les domaines de l'action, c'est-à-dire en matière de morale, de droit ou de politique par exemple. Cette façon d'envisager la raison comme un lieu de distinction, mais aussi de complémentarité entre la démonstration analytique et l'argumentation justificatrice, repose en fait, du moins dans une certaine mesure, sur la réhabilitation d'un modèle très ancien, savoir celui de la rationalité aristotélicienne, que je veux résumer de façon très schématique et sommaire, encore une fois, dans cette formule que nous retrouvons dans l'éthique à Nicomaque, selon laquelle, je cite, d'après la traduction de Tradius, un homme éduqué a pour principe de réclamer en chaque genre d'affaire, le degré de rigueur qu'autorise la nature de l'affaire. Car on donne en effet à peu près la même impression lorsqu'on accepte un mathématicien qui débite des vraisemblances et lorsqu'on exige d'un raideur des démonstrations. Reprenons ce point, réellement écrit dans l'Antiquité rhétorique ceci. Aristote a distingué dans son organon deux espèces de raisonnement, les raisonnements analytiques et les raisonnements dialectiques. L'étude qu'il a entreprise de cela dans les premiers et les secondes analytiques lui a valu d'être considéré dans l'histoire de la philosophie comme le père de la philosophie formelle,
mais les logiciens modernes ont perdu de vue parce qu'ils n'en avaient pas perçu l'importance qu'il avait étudié les raisonnements dialectiques dans les topiques, la rhétorique, les réputations sophistiques, ce qui était de lui également le père de la théorie de l'argumentation. Fin de citation. Cette distinction entre raisonnement théorique et raisonnement pratique avait conduit Perelman à sortir de la figure traditionnelle du philosophe roi, qui croit pouvoir imposer son diktat aux autres, et à mener, avec une grande équipe de juristes relevant de diverses disciplines, un travail colossal et de longue haleine, plus de 30 ans, sur le raisonnement juridique, avait ainsi réussi à rendre ses titres de noblesse à cette tradition qui était si négligée de son temps, savoir la tradition qui conditionnait au moyen de la délibération, de la parole contradictoire et de la discussion, de mettre en avant des décisions raisonnées et des choix justifiés en matière d'action humaine, qu'elles soient individuelles ou collectives. S'il n'est donc plus étonnant de voir un logicien philosophe se mettre à l'école de la pratique pour considérer ses calendes, reconsidérer ses canons de rationalité, vous voyez bien que ce n'est pas sans raison que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un ouvrage dont le titre met côte à côte les mots de logique, avec toute la connotation théorique que se montrait derrière lui, et de médecine, avec là aussi toute la dimension et les aspects et l'aspect pratique, auquel l'histoire de ce monde ne peut manquer de ramener les esprits. Le livre d'Ali Ben Mahlouf, La force des raisons, logique et médecine, se propose de construire une continuité entre le logique et le vital. Pour réaliser cet objectif, l'auteur place son entreprise dans le sillage d'un certain nombre de philosophes qui ont tant mis l'accent sur la force des raisons, et prend appui sur des philosophes qui ont su, comme John Dewey, faire du rapport des hypothèses à leurs conséquences, celui d'une relation de moyens à fin. La ligne de pensée préconisée ici par l'auteur ne se limite pas en fait à une simple reprise qui applique hâtivement au domaine de l'éthique médicale des concepts et procédés issus de la logique mathématique qui a connu son essor à la charnière du 19e et du 20e siècle. La visée de l'ouvrage de Ben Mahlouf va en fait bien au-delà. Certes, il s'agit bien en premier lieu de renouer avec la tradition des philosophes et logiciens qui, à l'instar de Leibniz, ont fortement valorisé les formes de procédure, et plus particulièrement les arguments qui concluent par la force de la forme. Mais par-delà ce geste initial, il s'agit pour Ben Mahlouf également et surtout de dissocier la force de la forme d'une conception intriquée qui réduit les arguments appelés à faire œuvre de justification au seul procédé logique que représente le syllogisme. Je cite Ben Mahlouf, je cherche à promouvoir aussi le procédé énumératif tel qu'il apparaît dans la description. Russell avait mis au point les descriptions définies. Un pas de plus peut être franchi en allant vers les descriptions énumératives qui mettent en valeur l'exemple. L'exemple n'est pas le parent pauvre ou l'auxiliaire du concept. Il ne se réduit pas au savoir tacite de ceux qui veulent instruire par l'exemple. En lui, nous pensons. Et quand on passe d'un exemple à l'autre, la pensée se déplace pour dire autre chose, et non pas pour se répéter unilatéralement. C'est dans ce sillage de valorisation de l'exemple que cet ouvrage se place, dit-il. Cette citation donne à voir que la démarche des acteurs n'est pas tant d'épostasier tel ou tel concept logique, ou de figer tel ou tel outil formel, que de suivre minutieusement et de réfléchir sur le mouvement et l'évolution interne d'une école de logique qui s'est développée au XXe siècle pour faire ressortir non pas un canevas rigide et unique de raisonnement, et pour mettre en exergue une sorte d'ouverture et d'assouplissement qui se sont opérés progressivement dans la pensée logique. Ce dont l'auteur fait preuve n'est donc pas un éclectisme consistant à glaner ici et là des éléments privilégiés, mais une attitude qui témoigne d'une appropriation réfléchie et consciente de plusieurs décennies d'évolution qui ont abouti à des résultats décisifs dans le domaine de la logique et qui peuvent être avantageusement transposés dans le domaine de l'éthique médicale. Pour illustrer cette démarche, un premier exemple est la référence répétée à Quine et à Whitehead, qui avaient réussi chacun à sa manière à inscrire l'engagement ontologique sous l'égide de la logique, c'est-à-dire non pas à promouvoir une ontologie débridée, mais à mettre plutôt en avant une forme d'ontologie raisonnée qui ne déroge pas au principe de Kant. La philosophie naturelle de Quine et la philosophie de l'organisme de Whitehead sont toutes les deux animées par la même visée,
est la contrôle logique de l'ontologie. Mais, je cite Maclow, la logique dont il s'agit ici est une logique élargie, celle qui accueille aussi bien la proposition comme décision critique, à savoir le jugement susceptible d'être vrai ou faux, que la proposition comme décision organique, objet ou appât du sentir, celle qui s'oriente éthiquement ou esthétiquement, et qui répond à des critères de pertinence où le contraste n'est jamais incompatibilité, à la manière de la fameuse phrase de Shakespeare, « To be or not to be, that is the question ». Un autre exemple, tout aussi significatif de cette démarche, le tente de saisir non pas un élément isolé, mais une certaine tendance particulière au sein d'une pensée logique en quête permanente, d'enrichissement et d'ouverture, et la référence aux multiples travaux logiques qui ont réfléchi sur la manière d'organiser la place des symboles dans une formule articulée, et qui ont rendu possible pour le peuple dégager cet enseignement hautement utile pour le domaine de l'éthique et pour celui des sciences de la vie et de la santé. Je cite encore une fois, quand Wittgenstein dit que la signification est algorithme, encore qu'il est d'usage, qu'on croit être combat l'idée de signification qui nous fait croire qu'il y a un pouvoir ou un trésor de signification derrière les mots, et qu'on prévue tous les deux à substituer à une théorie de la signification une pratique de la compréhension. Deux grandes orientations donc président ainsi à l'entreprise d'investir les outils logiques comme adjuvants nécessaires pour une réflexion sérieuse en matière éthique. La promotion de la méthode énumérative qui nécessite l'élargissement de la description de Russell et la mise en avant du processus de compréhension. Outre la réhabilitation de l'exemple comme procédé de construction et d'élaboration de la pensée, et non seulement comme instrument d'illustration, ces deux orientations spécifiques ont comme corollaire la mise à distance de la synonymie, qui elle-même va de pair avec une revalorisation des homonymies, des homophonies et de la paronymie. Ils incitent à sortir de l'incarcération sémantique en renonçant à la recherche obsessionnelle du sens. Il s'agit de nous libérer du désir d'aller chercher un sens au-delà de celui qui nous est donné, c'est-à-dire d'être attentif aux circonstances d'élocution et de se préoccuper de décrire les usages apparents plutôt que de décrypter les significations cachées. Plus est, c'est l'idée même de proposition qui s'en trouve profondément changée. La proposition n'est plus réductible à son contenu déclaratif que l'on soumet au vrai ou au faux, car nous faisons des propositions aussi qu'on ne nous indigne, exprimant un dégoût, une extase, un plaisir esthétique ou une douleur. Envisagée sous cet angle, la proposition acquiert sa part d'ontologie. Il devient une sorte de potentialité que l'on peut présenter comme possibilité logique ou comme possibilité réelle et même comme possibilité physiologique. Or, je cite de Maclow, les possibilités logiques décrites par Wittgenstein, les potentialités réelles mises en avant par Whitehead, voire les possibilités physiologiques d'un Canguilhem, ont toutes pour horizon de nous introduire à un monde bourdonnant d'intentions, d'actions, de pratiques, de capacités et de jeux, qui, articulant nos qualités le physique et le psychique, mettent à distance le modèle d'une conscience hégémonique. À la manière de Descartes, qui aurait dans son solipsisme le monopole du sens. Fin de citation. Bref, d'une lecture orientée et mûrement réfléchie du cheminement parcouru par une école de logique qui s'est développée au XXe siècle, l'auteur de Maclow dégage pertinemment une panoplie d'outils logiques comme la réduction logique, la description définie, l'assentiment sans la référence, la traduction radicale, la métaphore littérale, encore la proposition comme décision critique et en même temps décision organique. Ces outils, en plus de constituer des éléments d'une logique suffisamment élargie et assouplie pour pouvoir accueillir les choix de vie, les valeurs existentielles et les expériences infra-conscientes, ces outils ont également le mérite d'assumer la fonction de défaire ce que Wittgenstein appelle les crampes mentales que peuvent donner les concepts sémantiques clés comme ceux de la dénomination, de la signification, de la désignation. Mis en avant. Ils impliquent également une révision des chaînes conceptuelles et une remise en cause des présupposés intellectualistes
qui est prisé par l'empirisme logique, mais aussi au rêve cartésien, d'une science certaine régie par le pôle mental de l'idée. En prenant appui sur cette logique élargie, avec sa double promotion des concepts de compréhension et d'énumération, Benmaclouf entend également éviter la double réduction du concept au récit et de l'éthique à la technique. Apparaissent ainsi au grand jour l'utilité et les implications éthiques de la démarche logique adoptée par l'auteur. À l'opposé de cette éthique qui, en raison de l'inflation de la parole des experts et de la peur de la pente glissante, veut apparaître aujourd'hui comme un savoir spécifique reposant sur la conscience apeurée d'un monde livré aux technologies, l'auteur défend cette autre conception selon laquelle l'éthique n'est pas un savoir, bien qu'il repose sur un savoir. Pour lui, une éthique médicale qui fit sienne les enseignements tirés de la logique et qui ne soit pas étrangère au contexte concret de la vie ne saurait revêtir une forme doctrinaire, mais sera plutôt une éthique qui, prenant appui sur les explorations scientifiques, aura la fonction d'examiner, d'évaluer, de formuler et de justifier. Encore une citation, une éthique intégrative de la science, une éthique relative, parce que procédurale, mais non relativiste, car elle repose sur des raisons et des étapes et des alternatives sans cesse évaluées et discutées. Une éthique qui prend le chemin des aventures conceptuelles de la science, non pour se faire science elle-même, mais pour être suffisamment informée en vue de décrire les dilemmes que les choix humains affrontent tous les jours. Le fait que cette éthique soit conçue comme pratique arrimée aux sciences ne signifie donc pas qu'il peut parler sur un trésor de vérité qui peut lui servir de base inébranlable en vue de construire un savoir infaillible. Adossé à des procédés logiques libérés de toute ontologie hybridée et orienté vers une compréhension toujours située par des contextes précis, l'éthique médicale n'acquiert au contraire sa pertinence que sous la forme modeste du raisonnement conditionnel hypothétique. Je cite, sans saisie définitive, inscrite dans une enquête indéfinie, changeant les points d'appui et sans peur pour les questions de frontières de vie, comme ceux que soulèvent par exemple les embryons humains qui sont de fin de vie, ou de maximalisation des capacités, l'éthique accepte l'inconfort grammatical et l'assaise intellectuelle que donne le raisonnement conditionnel et hypothétique. Ne jamais être catégorique, voir les possibilités et leurs contreparties de manière hypothétique et pondérée. Quand cette éthique prend appui sur les sciences, elle se met à l'école de la validité et s'éloigne des explorations théologiques de la vérité. Je dispose encore de combien de temps? Oui. Alors, avant de lire une dernière citation pour terminer, permettez-vous, si vous le voulez bien, que je vous cite un passage que je juge très intéressant pour illustrer le rôle de l'examen, de l'évaluation continue et du raisonnement hypothétique dans l'éthique médicale. Permettez-moi de vous lire ce passage. Alors je cite, pour bien saisir cet enjeu de l'évaluation constante de la proposition, dit Benmaclouf, j'emprunte à John Dewey, de son ouvrage bien connu, Logique, la théorie de l'enquête, j'emprunte donc à John Dewey un exemple médical. Il s'agit d'une personne qui, étant malade, délibère sur le meilleur processus à suivre pour recouvrer la santé. Dans cette délibération, des alternatives se présentent presque à chaque étape du chemin. Il y a quelque chose à dire ou à affirmer à titre d'essai à chaque étape concernant les deux aspects des questions soulevées. Par exemple, laissera-t-on faire la nature en appliquant le vieux principe de la nature médicatrice, ou bien se demandera-t-on si le cas présent n'exige pas de recourir à un médecin? À partir de là, une autre série d'alternatives voit le jour. Il se rapporte à la question des moyens financiers et de la couverture médicale, à la disponibilité au nom du médecin, à la qualité du médecin, à consulter généraliste ou spécialiste, à la possibilité de déposer un jour de congé ou de reporter des activités initialement prévues, et, à supposer que le médecin ait été finalement consulté, reste l'épineuse question de respecter ou non ses prescriptions. Un problème bien connu par les médecins, sous le terme de mal ou non observance. Alors, comme vous voyez, il y a la
Ce qui frappe dans ces questions, c'est le critère omniprésent de l'interrogation. Et aussi, à chaque fois, ces alternatives sont orientées vers l'action. Et donc, elles sont donc loin d'être séparées les unes des autres. Il faut donc parler d'interaction entre les diverses alternatives. Une interaction qui veut dire aussi que la fin elle-même est un moyen procédural et non une fin en soi. Pour conclure, je cite ce passage à ce paragraphe qui condense un peu toute la visée de cet ouvrage dont je vous ai parlé. Alors je cite des MacLeod, un passage de la conclusion de l'ouvrage. Comme nous avons mis en évidence les alternatives hypothétiques, nous avons voulu indiquer combien il est difficile aujourd'hui de se contenter du vieil humanisme du couple médecin-patient qui se résume à la relation abstraite et tacite d'une conscience de médecin face à une confiance de patient. En allant du côté du raisonnement médical d'une part et de la mal ou la non-observance par le patient des prescriptions médicales de l'autre part, j'ai évolué, David MacLeod, explorer les formes nouvelles, concrètes, de la relation médecin-patient. Avec l'éthique procédurale dont j'ai donné les grandes lignes, c'est bien évidemment la mise en œuvre d'une éthique non doctrinaire, liée au contexte médicaux précis, bande d'organes, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, situation de fin de vie, que j'ai envie. Je mentionne de passage que David MacLeod était membre du Conseil national consultatif d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé de la République française. Il a justement été le coordinateur de l'avis proposé à l'Assemblée nationale sur le don d'organes et sur l'IRNF. J'ai voulu indiquer combien les procédés de justification et de formulation des hypothèses font partie de la relation thérapeutique. La part de l'implicite, celle de la connaissance tacite, c'est encore de l'énumération des cas hétérogènes, s'invite pour montrer combien les éléments logiques et médicaux sont jeux d'être. Merci pour votre attention. Merci de m'avoir donné la parole et je suis ravi de participer avec vous
l'institution étudiante, mais avec de nombreux domaines en intervention. Alors, en fait, toutes les interventions ont été intéressantes, si bien qu'elles ont suscité au moins beaucoup de réflexions. Et j'aurais aimé que les autres intervenants soient ici, justement, pour entrer en réaction, parce que l'essentiel, lors d'un colloque, c'est le débat. Ce n'est pas uniquement parler et sortir, c'est le débat qui est... Parce qu'il s'agit d'une co-construction, d'accord, pour fixer, justement, les idées dans la tête. Alors, j'ai dit toutes les interventions se valent, et pour essayer, dans un ramassis, de les réunir, je voudrais revenir à la philosophie. On dit que la philosophie était née sous condition des mathématiques, le matin, on parle du matin, donc sa naissance a coïncidé avec la naissance des mathématiques, c'est bien évident parce que les philosophes ne sont pas des essences pures, ce sont des esprits qui entrent en réaction avec le contexte ambiant, où ils réfléchissent, sur les philosophes. Donc la philosophie est née sous condition des mathématiques, mais en même temps dans l'élément du poème. C'est-à-dire, les philosophes dits pré-socratiques avaient commencé à réfléchir sur surtout la question de l'être en tant qu'être. Et le plus connu probablement, c'est Parménide, qui dans un beau poème, à essayer de parler de l'être qui n'est pas être, mais en commençant par la déesse qui est venue, etc. C'est le mythe. Ils étaient encore dans l'élément du mythe, c'est-à-dire de l'art, c'est-à-dire du poème. Donc on peut dire que la poésie a, la philosophie, en tant que langage, essayant de réfléchir sur tout, c'est le droit qu'ils revendiquent, les philosophes revendiquent le droit de réfléchir sur tout, même au-delà de la science, quand le scientifique s'arrête, le philosophe va au-delà, d'où la question, par exemple, la réflexion sur l'éthique, la médecine. Donc, le philosophe, la philosophie navigue entre les maths, le matin, d'où le désir de la démonstration. Le philosophe cherche toujours à nous convaincre dans l'argumentation, le rationnel, mais il n'arrive jamais à la démonstration mathématique, parce que la mathématique a la propriété, les êtres mathématiques, les x et y, sont indépendants, dans le sens idéaliste platonicien de Dieu, ils n'ont pas besoin d'expérience sensible pour exister les êtres mathématiques. Et il y a le désir du poème, quand le philosophe, voit que son langage clair, transparent, n'est pas capable de lui ouvrir les horizons de la pensée et du sens, il a recours à la séduction, c'est-à-dire à la poésie. Et les philosophes dans l'histoire de la civilisation humaine, on peut dire la civilisation occidentale, les représentants, d'abord Platon, il avait écrit le théâtre. Même si Platon chassait de sa république le poète tragique, on peut dire que Platon était un peu hypocrite. Donc j'ai dit, le philosophe entre la séduction, le poème, et entre la démonstration, c'est-à-dire le matin. Il y a d'autres qui ont parlé des maths en tant que le caractère ludique. Aristote a parlé de ça dès le début. Il dit que les mathématiques sont une esthétique. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Par contre, Platon dit au contraire, les mathématiques sont la voie royale qui mène vers le monde des idées. Voilà, je me contente de ça, sinon il y a beaucoup de choses à dire. Je me contente, je vous remercie pour votre compréhension. Bonjour, tout d'abord je vous remercie pour l'organisation du colloque et pour cette occasion de partager le savoir. Alors ma question est adressée à M. Louéry sur ce qu'il a évoqué de caractères qui sont relatifs à la philosophie. C'est le caractère opérationnel et de médiation. Et ma question, est-ce qu'il y a une relation entre l'opérationnel et la médiation? Donc c'est ça, dans la mesure où, quand on parle de savoir absolu, de vérité absolue, et lorsqu'on parle aussi
de l'homme et la transcendance, c'est en fait, il y a une transcendance de la pensée relativement à la religion et bien sûr au savoir absolu divin relativement à l'islam. Merci. Je vous remercie de vos interventions édifiantes et enrichissantes. J'aimerais poser une question au professeur Alice Michaud. Dans la perspective de l'ouvrage du professeur Alice Michaud, en fait, cette éthique procédurale que vous avez brillamment expliquée est en fait une tautologie. Donc le fait de l'éthique ne peut être qu'appliquée et ce n'est qu'à l'épreuve de toutes les problématiques que pose le domaine médical que l'éthique devient en fait plus éthique. Est-ce que cette compréhension est pertinente ? Merci. Il y a une identité de forme entre les deux parties. La question est-ce que la forme est à une forme ? Je vous dis ça. Merci. En passant de Husserl à Husserl,
que la biologie et la biologie sont deux disciplines presque indissociables jusqu'à un certain point que l'un contient l'autre. Mais à l'instar des phénomènes, alors erratons, je parle de la phénomène, erratons son autonomie tout comme la littérature et la nature, sachant que la phénoménologie est déjà regard, perception. Alors, et on ne peut pas réduire la philosophie comme à son étymologie, c'est-à-dire à nous il dépasse en quelque sorte. Ce sont ceux-là. Ma deuxième question, est-ce qu'on peut, d'ailleurs on ne peut pas réduire, en fait, qu'on peut réduire ces tensions qui subsistent entre l'être et le monde au langage, c'est-à-dire le langage comme médiateur. Merci. Les contacts entre quand ça brise la lumière. Alors, je commencerai par une jolie phrase de Henri de Monterlo dans Les Lépreuses. Il dit comprendre Bergson, c'est croire qu'on vaut Bergson, mais réussir des confitures, c'est une autre affaire. Voici, pour réussir des confitures, ça nécessite un travail manuel, ça nécessite un calcul, ça nécessite un savoir-faire. Et comprendre Bergson, il suffit de dire que voilà, Bergson a dit, moi j'ai dit. Nos deux collègues, ils ont parlé chacun de quelqu'un, de Loulou et de Einstein, et ils étaient là à faire une opération, c'est de réduire, de résumer, de faire un compte rendu de tout un travail, et donc nous, à travers eux, nous sommes allés voir à la fois Verdo et l'Université. C'est la même chose qu'on fait dans la philosophie. Et la plus belle des philosophies, par exemple, c'est lorsque un enfant pose une question. Alors, je l'ai mentionné, c'est la question toujours du comment et du pourquoi, qui sont toujours posées. Lorsque il demande à comprendre, par exemple, pourquoi est-ce qu'on a mal ? Un enfant, il dit pourquoi est-ce qu'on a mal ? Il cherche à comprendre quelque chose dans le monde. Alors, vous êtes obligé de devenir médiatrice entre lui et la compréhension, entre lui et la connaissance, entre lui et le savoir, et enfin entre lui et la science. Et là, je veux dire que l'éthique, il appartient au domaine de la connaissance parce que tout le monde est là. Et l'éthique, et ça, j'invite toujours à penser avec notre héritage, les rhétoriqueurs arabes ont distingué entre le langage, les actes par lesquels on rapporte le monde, le khabar, et les actes par lesquels on fait le monde, le kinshaf. Donc, l'éthique, il se trouve où ? Normalement, nous allons essayer de chercher de comprendre. L'éthique, il se trouve nulle part. L'éthique n'est pas un acte. L'éthique, c'est une connaissance. Alors, les connaissances sont-ils vraiment tous des actes ? Ne sont-ils pas toujours des actes ? Alors, en travaillant, nous sommes en train de faire des opérations. Nous sommes obligés de faire des opérations. Alors, résumer, c'est une opération. Comprendre, c'est une opération. D'ailleurs, ce sont tous des verbes d'action. Alors, tous, ce sont des verbes d'action qui nécessitent de nous, que nous fassions des pas. Pas seulement un pas, des pas vers ce qui est caché. Et c'est là le rôle de l'herméneutique. On va essayer de voir comment ça se passe, comment ça se fait. Et donc, toute philosophie est à la fois opérationnelle et elle est aussi médiationnelle. Médiationnelle dans le sens de comprendre le monde et médiationnelle dans le sens aussi de prendre le monde et de le donner aux personnes qu'on qualifie d'ordinaire. Il n'y a pas de personne ordinaire dans le monde. Ordinaire, seulement la personne qui accepte d'être ordinaire. Mais tous ne sont tous extraordinaires parce qu'on ne veut pas comprendre qu'est-ce que c'est qu'un homme vraiment. Mais on pose des questions et on essaie de se rapprocher. Le langage, il est tout ceci. Le langage, il véhicule.
Rien n'existe en dehors du langage. Et c'est pourquoi ce qui est donné à l'homme et qui fait qu'il est caractéristique par rapport à toutes les autres créatures, c'est que lui, il parle. Alors, en parlant, il fait le monde. Et d'ailleurs, aux États-Unis, le monde, il se fait avec les paroles. Il suffit de voir, par exemple, la richesse ou le pouvoir qu'ont les avocats aux États-Unis. Les avocats, ce sont des maîtres de parole. Ils ne sont rien, ce sont des maîtres de parole. Et étant maîtres de parole, ils font, ils refont et ils défont le monde. Donc, faire, refaire, défaire le monde, on est en train d'agir, on est opérationnel. Et en même temps qu'on est opérationnel, on est toujours entre un élément et un autre élément. Et la philosophie, c'est toujours entre un élément de monde. Le bonheur, c'est un élément de monde. L'amour, c'est un autre élément de monde. Alors, Hume, il est venu pour nous expliquer les passions. Il nous a donné un livre important sur les passions. Et nous comprenons les passions grâce à Hume. Mais pas tout à fait, parce qu'il y aurait toujours quelqu'un qui viendra nous dire autre chose. Merci. Je vous prie d'être assez bref. Je m'excuse d'être. Nous avons une contrainte de taille, c'est celle de. Je vous prie de répondre. Oui, mais qu'est-ce qu'on dans une économie du langage suffisante, vous le parlez. S'agissant d'un certain nombre de questions. La technique n'annonce pas à la connaissance. Voilà. S'agissant de questions intriquées entre ce qui relèverait du langage, la méthodologie adoptée par rapport au langage, et s'agissant aussi de concepts, comme par exemple l'éthique. S'agissant aussi de démarches lié à un philosophe ou à un autre, Einstein par exemple, Bloch, ou autre philosophe, on ne peut que répondre de manière synthétique. La synthétique, je vais la ramener à un binarisme, le premier binarisme, et le premier constat à faire, c'est que la philosophie, dans le sens de poser la question, que veut la philosophie? Que peut-elle faire par le langage? Donc, la philosophie essaie de tourner les réalités imaginaires, imaginables ou réelles dans une unité, une unification, une idée. Ramener le tout à des phénomènes idéaux. Très bien. Donc, cela ne peut se faire que de deux manières, selon et suivant le foisonnement de pensées durant l'histoire de la philosophie. Donc, la constitution donc, de l'évidence en philosophie, parce qu'elle joue aussi la philosophie, elle est joueuse, hein, pour aller vers l'idée, elle cherche à la rendre évidente. Comment ? La constitution de l'évidence du concept d'organisme, par exemple, ou bien d'éthique, ne peut avoir le statut de concept que lorsqu'on passe par deux éléments. La première strate, c'est la revendication d'une irréductibilité du concept donné, disons l'éthique par exemple, en rapport avec la dimension, une dimension régulatrice. Et là je renvoie à l'exemple concret dans les écrits de Kant. Pourquoi tout ça ? Pour rendre ce concept universel, pour aller vers l'universalité, être stable sur ces deux éléments. Hein, la revendication de l'irréductibilité et l'implantation d'une dimension régulatrice. Donc voilà, cela va aboutir à un concept, bien sûr, qui ne peut être que contingent. Hein, d'accord. Donc je vais directement vers Wittgenstein, avec qui nous relever d'accord. D'ailleurs, je cite. Hein, j'ai pris ça pour ce livre que nous avons sous la main, heureusement. Donc, Wittgenstein. Pour Wittgenstein, la vue autour de l'idée, la construction du concept par rapport à l'idée, qui est par rapport à une réalité, dans un décrochage, bien sûr, idéologique, hein, passe par une vue synoptique,
qui ne porte pas sur le petit nombre d'axiomes, mais sur les preuves elles-mêmes, sur la grammaire des preuves, c'est-à-dire sur ce qui est possible de faire avec elles, sur leur application. On ne peut pas dire que Wittgenstein déplace le synoptique qui est présent chez Frege sous la forme d'un synoptique portant sur un petit nombre d'axiomes que la raison domine. C'est le contexte propositionnel, parce que n'oublions pas que la philosophie, c'est la création de propositions. Avant de créer le concept, elle crée des propositions. Et à travers le concept, elle finit par contextualiser et créer des propositions contextuelles, qui déterminent, bien sûr, la fin de la pratique philosophique, à savoir le jugement, par des preuves. La chose dépend des détails annexés, comme dirait Frege, et le tout dépend du contexte annexé à ce tout. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question sous deux, hein, merci, c'est deux éléments. Affreusement difficile qui a été posée à la délégation en philosophie, alors je ne sais plus,
je sortais de l'université, ça devait être en 2014, quelque chose comme ça. La forme logique chez Wittgenstein, c'est-à-dire ce qui existe de commun entre un tableau, par exemple, ce qu'il représente, entre un hiéroglyphe et le fait dont il est l'image, ou bien entre un mot et ce qu'il représente, la forme logique, elle est indicible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'expliciter, on ne peut pas la montrer elle-même. Par conséquent, se prononcer sur la forme de cette forme, désolé, c'est un peu trivial, mais Wittgenstein, vous direz, c'est une question qui n'a pas de sens. Ou plutôt, c'est une absence de question. En fait, la forme logique, vous êtes obligé de la postuler. C'est un transcendantal. C'est un transcendantal de ce fait, si on l'abolit, si on se pose la question de la forme, on risque de creuser à tel point qu'on ne trouvera plus le sol. C'est peut-être là, en fait, la réponse de Wittgenstein, qui ne prendrait pas la question de la forme de manière aussi réflexive. J'espère avoir répondu. Juste dans le même sens sur la musique, j'aimerais, si vous voulez, lire le livre. L'éthique comme le mystique se montre, mais ne se dit pas. Selon Wittgenstein, le mystique réside dans le fait qu'il est un monde. Non dans le comment du monde, comme disait Brassard. Le mystique suppose le monde du point de vue de son fait, de sa substance, du fait qu'il existe, ce monde, et non du point de vue d'une explication parmi d'autres de cette substance. C'est juste assez simple. Je complète pour l'éthique, ce qui est très intéressant, c'est l'idée d'une éthique éminemment pragmatique, c'est ce qu'on va retrouver chez Wittgenstein. Wittgenstein a un argument très simple qui va dans le sens de l'auteur que vous avez lu. Il dit en fait, s'il y a une éthique et qu'il faut en quelque sorte un discours théorique pour la justifier, c'est qu'elle n'est pas éthique. Voilà. C'est-à-dire que le bien en quelque sorte, il se manifeste de lui-même. Si en plus on a besoin de le justifier, c'est que finalement il n'y a pas de valeur. Voilà. Dans mes réflexions, ça touche un peu cette idée de rapport entre littérature et la philosophie. Je me dis toujours que si Marx avait la chance de lire Kafka, on aurait un autre Marx. Normalement, Kafka, Kafka a plus de profondeur à comprendre le système humain, le rôle à l'administration, le rôle à l'organisation, plus que ce que Marx a vu. Et malheureusement, les marxistes n'ont pas voulu relire le marxisme à travers Kafka. Je dirais autre chose, je poserai une question qui détruirait tout ce monde de philosophie que nous sommes en train de se dire. Je suis un peu nihiliste. Dernièrement, je disais qu'il n'existe pas de métaphore, c'est quelqu'un qui a créé ce mot. Normalement, tout se dit, tout se comprend. Je dirais aujourd'hui, et si ce que nous pensons était vraiment ce qui est, il n'y a ni image ni représentation. Tout ce que nous disons est ce qui est. Il n'y a ni représentation ni rien. Et le langage n'est pas le langage, il est nous-mêmes. Merci. Avant de lever la séance, je voudrais remercier tous les intervenants pour la qualité et la pertinence de leur interventions. Je voudrais également remercier le public pour sa patience et pour les questions très judicieuses qui ont été posées. Merci. Donc, à cet après-midi, nous allons nous rendre des travaux l'après-midi avec un autre panel, une autre thématique. J'espère que vous serez là. Merci.